Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Année scolaire 2021-2022 a lancé officiellement mardi 21 septembre 2021. Dans l'occasion, une cérémonie déroulée dans l'école nationale argentine Belgrade, dans Riel Vargas, dans Port-au-Prince. Notre classe n'a pas concerné le département NIP Sud à Grand-Bens à cause de ses victimes, tremblement de terre 14 de la route passée. Et on a une école qui fait souci solidarité, selon le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle. John Roby Kaseus pour détail. Police officielle ouverte l'école là, Anessa, déroulée dans l'école nationale argentine Belgrade, dans Riel Vargas. Plusieurs autorités dans l'État, parmi eux, Premier ministre Ariel Henry te répond présent. Dans l'occasion, chef gouvernement renouvelé engagement pour encadrer enseignants, et spécialement si la yo qui dans situation irrégulière. Et de ma première année pour l'enseignement de qualité, tant dans les institutions privées que publiques, je demande aux responsables du ministère de prendre toutes les dispositions en vue de normaliser le statut de professeur en situation irrégulière. C'est un problème récurrent. Il nous faut un traitement sévère et efficace de ce dossier. C'est inadmissible et même inhumain que nos enseignants continuent à subir ce genre de traitement. Comment alors puissent-ils fournir tout le rendement exigé s'ils n'ont pas de lettre de nomination, donc pas de salaire pendant plusieurs mois sur plusieurs années? J'espère que la ministre en fera sa priorité. Il y a une disposition qui déjà prend dans le niveau ministère éducation nationale et formation professionnelle pour permettre l'école de bien fonctionner d'après ministre éducation Marie-Lucie Joseph. Ministre en fait connaît programme by livre à kit scolaire a démarré avant longtemps. Il y a pas qui prend, mais dans quelques jours, on a recevoir une bonne nouvelle. Kit scolaire a commencé à distribuer. Faut que si nous nous joignons à l'île à fournir classique qui peut permettre d'apprendre plus bien. Même si les parents ont fait sacrifice, faut que tout professionnel dans l'école a fait devoir. Il faut y a fait travail, payer pour le faire. Professeur, directeur de l'école, inspecteur, fonctionnaire de la direction départementale, le bureau central ministère. Faut tout faire travail pour l'école la marché. Ça veut dire l'école la marché, ça veut dire élèves apprendre, élèves passer dans l'examen. Ça veut dire faut tout le monde respecte les jouettes là, dans tout niveau. Activité ça, c'est occasion pour le Premier ministre Ariel Henry distribuer kit scolaire par élèves l'école nationale argentine Belgrade. Selon le responsable ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, l'école a ouvert le 4 octobre dans le Grand Sud. Notre information, le journal là, mais toujours dans ce qui vient pour rentrer classe là, directeur départemental éducation ouest là, Jean-Ernest Clergé, montre préoccupation par rapport à résultat examen qui sont pour élèves qui souhaitent participer dans le baccalauréat. Il fait qu'on ait des dispositions qui peuvent permettre des améliorations pour l'année qui vient là. Écoutez-nous. Les derniers résultats interpellés nous gardent des forces et faiblesses et nous féliciter les enseignants, les directeurs d'école, les parents qui étaient sensibilisés et le ministère là en dernier lieu qui prend en charge permettre Timoun Sayo participer dans deux examens officiels qui sont passés là, 9e année fondamentale et bac unique là et en partie de bac permanent. Résultat est publié, nous dit l'année prochaine, nous parlons gourmet pour nous voir si nous avons ajouté ce pourcentage résultat ça y est, pendant que nous parlons axer nous sur la supervision pédagogique dans les écoles, publiques et non publiques, à travers nos structures d'inspectorat que nous gagnons, pour que inspecteurs, coordonnateurs, pour regarder en dans l'école quel type d'apprentissage que Timounio a pu recevoir.
Notre l'école toujours avec l'école Sainte-Trinité qui l'ouvre porte mercredi 21 septembre 2021. Dirigeant établissement scolaire ça a organisé une messe action grâce dans l'occasion de l'ouverture classe. Révérend Père Rico Geoffroy dit lui reconnaître des filles en pile pour Ania pendant qu'il encourageait parents et professeurs à commencer le travail dans l'idée pour atteindre l'objectif qui fixé pour l'année académique si là. Responsable a félicité professeur pour travail yo habitier bail pendant qu'il souhaite yo continuer jouer rôle comme ça doit. Yo extrait micro Rodney Dorian avec Michel Joseph. La messe de ce matin est l'expression de notre dépendance de Dieu, de notre foi en lui et notre espérance dans sa miséricorde. Vous le savez, la devise de l'école, c'est victorieux en Christ. Autrement dit, par Christ, nous vaincrons. Et notre victoire, c'est d'arriver à l'excellence, comme dit notre slogan, Excellence Plus. Les défis sont grands. Les buts à atteindre sont énormes. Le succès doit être inévitable. Pour cela, je vous invite tous et toutes, membres de l'administration, enseignants, enseignantes, élèves et parents, je vous invite à vous mettre au travail dès cette seconde. Je tiens à vous rappeler que notre existence nous oblige à nous réaliser en assumant nos responsabilités, en actualisant nos virtualités, tout en faisant des choix lucides. Monsieur Sécurité, mais qui toujours des rapports à réouverture l'école là, pour faire connaître la police nationale là, d'établir un plan sécurité pour accompagner les élèves pendant l'entrée l'école là. Renforcer présence policière dans tout axe côté l'école a fonctionné, bloquer passage pour aller dans l'école a fonctionné, c'est quelque part une disposition. PNH là dit prend tout le monde qui pas respecté les ISAO a subi sanction d'après porte-parole PNH là, Marie-Michel Verrier. Écoutez-le. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion de rentrer l'école là. Côté présence de la police renforcée dans l'environnement tout côté qui est l'école. Côté DCPR, qui est direction centrale police routière, avec Edupol, yo a là pour accompagner élèves yo et parents. Yo. Conducteurs, yo mande yo tout pour yo faire preuve de prudence et puis limiter excès de vitesse surtout dans zone côté qui gagne l'école. Policiers qui affectés dans direction centrale police routière recevoir instruction pour sanctionner tout le monde qui pas entendre respecter règles circulation côté yo fait ça yo vle et provoquer embouteillage. Camion yo pas ka circuler dans heure de pointe yo. Sorti 6 heures pour arriver 9 heures dans le matin. Et 3 heures dans l'après-midi pour arriver 6 heures dans l'après-midi. 3 heures pour arriver 6 heures dans l'après-midi. C'est que 6 heures dans le matin, arriver 9 heures dans le matin. Là, pour prendre encore 3 heures pour arriver 6 heures dans l'après-midi. Et tout le monde qui refusait d'entendre, respecter ça, tout camion, tout conducteur camion qui pas respecté ça, il a tombé en bas contravention. Vous entendez avec porte-parole PNH là, aucun camion poids lourd pas gain droit circuler dans zone métropolitaine Port-au-Prince, sorti 6h pour arriver 9h le matin et puis sorti 3h pour arriver 6h à soir. D'ailleurs, c'est sa direction circulation police nationale là fait connait. C'est directeur circulation, commissaire divisionnaire Castro Préville qui s'y est et puis directeur central police administratif là Monès Auguste qui a approuvé décision pendant yo dit yo compté sous bon comprendre à obéissance propriétaire à chauffeur camion pour aller pour respecter. Mais c'est ça, on suit.
plutôt, n'a pas poursuivre à journal là, service migration américain après poursuivre à opération déportation plusieurs centaines haïtiens qui étaient bloqués sous frontière États-Unis avec Mexique. Migrants haïtiens saillants ont tenté de rentrer illégalement dans le pays États-Unis. Rapatriés saillants qui débarquaient dans l'aéroport international Toussaint Louverture, lundi 21 septembre 2021, déploré mauvais traitement, ils ont dit aussi bon côté responsable dans le service migratoire américain. Quelques mots dans le micro, la voix de l'Amérique. En côté. Moi qui étais à Haïti depuis 2017, à nos jours, je suis passé au Chili, passé à peu près au PC, tombé dans notre AGR. Et là, je suis à AGR malgré tout le monde, parce que même là, je viens de te prédire. Mais comme il y a là, ça qui passe, nous venons tomber à Miami. Le déporter nous sans Texas. Le déporter nous. Malheureusement, il va quitter nous avec un lien. C'est comme si on était nous en prison sans manger, sans rien. Matéa répond, nous lever nous dit que ça, on nous aller, puis on mène nous aller. Mais nous garder, c'est dans n'importe où. La caille était la caille, mais pas passer à venir, venir sans rien. Yo prend nous pas gain rat, nous pas gain même tout. Les autres qui fait nous quitter pays parce que l'insécurité a été très fort dans le pays, nous pas pour nous ça pour nous faire et nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, nous pas qu'à travailler. Nous c'est chauffer camionnette, là nous pour machine nous sortir avec et on dit faire nous pas qu'à avancer. Pour ça que nous quitter pays. On y a la bande qui ça me faire dans moment là parce que toute activité déjà économie déjà crasée. Je vais faire route à pied, même pas aucun côté me aller égal encore. Moi j'ai petit chilien, oui, j'ai petit chilien. Non les grands même la tourner dans pays, il gagne passeport chilien et chilien il est derrière lui même la tourner dans pays, l'élever. Moi j'ai tant résident Chili chéri doudou. Me fait 4 ans Chili, c'est petit que t'es mon canet 1 an. Ouais Chili, pour gagner papier Chili, il est très difficile pour gagner papier Chili. Mesdames, yo, pour le bon papier, il faut que vous travaillez qui bon contrat et pour travailler à bon contrat, il faut que vous gagne papier. On quitte Chili 9 juillet. Nous fait 2 mois, nous fait 7 jours en barrage, rage d'Alien, rage de Colombie à Panama, nous fait 7 jours en bas. Je n'ai aucun problème parce que je tourne là, sous tes côtés, je fais ça. Parce que quel que soit Jean là, taille, Evel Jean, je ne vais pas là. Parce que c'est pays mélié. Moi, même problème, c'est Jean au départ. Le problème, c'est pas parce que je viens là. Parce que je viens dans le pays. Par quel côté, je me sens plus à l'aise que dans le pays. Même là, il y a un problème. Parle. Moi-même, c'est pas problème, c'est parce que c'est genre de porter nous. Nous déporter nous, tant qu'on bon monde sans famille, tant qu'on qui pague tête, pas en tête, pas de qui a plaidé pour nous. Parce que d'après la loi, pour déporter nous, il faut nous faire un papier qui écrit déporter, qui écrit à déporter nous et pour nous signer. Nous pas signer aucun papier, c'est eux qui signent un papier. Le passeport, on en met nous, on va venir mettre nous, non. Et pour ça là, c'est nos avions, on remet nos papiers. Tout ça est illégal. Je fais des bagages illégales, je fais des déportations, je viens de faire nous dans la cabane à 11h minuit pour faire des déportations. Déportation pas faite à l'heure. Dans le dossier, il y a plusieurs centaines de migrants haïtiens qui bénéficient de main levée. C'est l'administration Biden qui permet de rentrer dans le pays malgré qu'ils n'ont pas de documents légaux pour ça. Pour qu'on y a, c'est famille même ça qui doit recevoir en attendant de passer devant un juge qui a bien pour décider sous le cas. Groupe ça a fini par son premier examen dans le border patrol là, et bien, il a quitté centre Valverde, border humanitaire en coalition, là, et il a été tête dans Houston, au Texas, côté, il a pu aller transiter pour aller dans la destination finale. Tiffany Barreau, c'est directrice centre Valverde, border humanitaire en coalition, là, qui a dit notre travail, lui, en tant que ONG, qui s'allie faire avec immigrants ça après une fin sortie nommé immigration. Assisting them in figuring out the best option to get to their final destination, whether it be airplane, destination finale là, et capable aller côté pour aller à soi, capable prendre transport en autobus, capable aller par train, tout comme tout capable aller en avion. Mais nous même ça nous fait ici, c'est s'assurer que vous faites tout ça que vous pour faire. Une fois que vous finissez, vous finissez faire et bien nous mettons dans autobus. Et bien, nous voyons dans la destination finale. Nous avons rencontré toi avec pasteur Delma Jean-Julien, lui-même c'est responsable de l'église haïtienne de la Bible, qui est située dans Fort Worth, au Texas. Et bien, lui-même, il était dans tête une délégation, 4 membres, l'église là, qui est arrivé dans un entour, pour lui-même, il était venu dans la communauté qui a aidé haïtiens qui sont en difficulté.
Nous connaissons des gens qui viennent là et qui pas des moyens pour que yo rejoignent famille. Donc on connaît immédiatement la des gens depuis yo était pour 2-3 jours ou était là toujours ou gain chance pour capable déporter. Donc les gens ça yo gain mon aider payer ticket pour yo capable rejoindre famille et gain mon tout qui pas des famille. Gain mon qui pas des famille. Donc les gens qui pas des famille nous prend yo nous aller ensemble avec yo. Salir de Venezuela et passer par Colombia. Quand nous étions en Sainte Valverde, ben nous avons rencontré tout avec Omar Jiménez, qui lui-même c'est un Vénézuélien, qui fait voir la sortie de Venezuela, il est tombé en Colombie et de là il prend un avion qui déposait le Mexique. Ensuite, il prend une machine qui mène sous frontière et il entre sous frontière. Et nous demandons mais qui ont fait sous frontière. Il dit mais l'arrivée sous frontière, la situation était vraiment difficile et grave. Il a considéré que c'était monde qui était là, avec les agents qui étaient là, pas d'argent moyen pour être bâillé tout service. La situation était très très difficile pour lui, mais quand même, Dieu merci, il est content le fait que lui traverse les frontières et qu'on y allait l'autre côté et il paraît plus facile pour le content, je dis. Et bien, même chant avec l'autre immigrant, Omar Jiménez, ensemble avec tout haïtien autour, et bien, il était monté à bord de l'autobus qui peut mener au Texas, qui son voyage qui a duré plus passé 5 heures de temps, et bien, tout immigrant qui joue une autorisation pour entrer aux États-Unis, même le paquet papier légal, eh bien, il y a gagné pour présenter devant le juge immigration dans un délai qui n'a pas dépassé 60 jours. Pendant ce temps, réaction continue à faire aux États-Unis et l'autre côté, manifestation à droite et à gauche, gagné Ligue basketball américain qui dit même qui réagit, gagné vice-président américain qui réagit et qui dit que vous demandez pour immigrants recevoir un meilleur traitement dans les autorités américaines. C'était depuis Del Rio, au Texas. Moi, c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci à confrère dans La Voix de l'Amérique. Plusieurs voix levées pour critiquer l'administration Biden là, pour façon de traiter le dossier migrant haïtien. Le secrétaire des mesures qui prend pour corriger la situation. Ensuite. La mise en branche a fait face avec un pile critique à la condamnation bon côté démocrature pour façon l'abjet de crise frontière avec Mexique, côté plusieurs milliers de migrants haïtiens rassemblés avec espoir qu'il y a capable de joindre moyen pour entrer aux États-Unis. L'administration Biden recevoir un pile critique tout. Après, moun tewe image garde frontière américaine sous choual cap agressé migrants haïtiens qui a traversé rivière Rio Grande. Républicains ont tout attaqué l'administration hein, et ont critiqué Biden parce que n'est pas fait assez pour gérer la crise là. Jeudi mercredi, le secrétaire sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas, critiqué image sa tout sous compte officiel Twitter là. Monsieur dit, nous pas accepter et nous pas tolérer aucun monde qui a maltraité aucun migrant. N'a prend mesure vite et pressée pour corriger ça et nous va prendre l'autre mesure après nous mener enquête sur Zach Sayo. Il fait qu'on est tout garde frontière que n'a investigué, relégué à travail administratif. Il n'y a pas de travail dans la capacité comme responsable de la loi et il n'y a pas de contact avec aucun migrant en attendant nous va gain résultat enquête là. De l'autre côté, autorité immigration Mexique a arrêté 12 migrants haïtiens parmi eux Timoun Petit Madi que ils ont ramassé pendant une opération lancée sous plusieurs hôtels dans Ciudad Acuña, un petit bouc qui situé sous frontière Mexique avec État Texas aux États-Unis. Officier Institut National Migration Mexique débarqué dans deux hôtels côté moun ka joine chambre qui pas coûté cher, côté yo ramasser migrants et puis mettre yo dans autobus. En même temps tout, Mexique commencé mettre migrants qui sous frontière États-Unis dans avion et puis gen l'autre yo mettre dans autobus qui mené yo sous frontière Mexique avec Guatemala. États-Unis déportés en Haïti plus passé 500 migrants haïtiens qui vivent dans un camp qui tout près ville d'El Rio depuis dimanche. Quel autre qui joint une permission priorité aux États-Unis. Sandra Lumer pour La Voix d'Amérique, Washington. Consul général pays d'Haïti dans Atlanta, Chicago, fait une visite évaluation dans le gouvernement haïtien sous situation migrants qui trouvent en bas pour Del Rio dans l'État Texas. Présentation, c'est pour porter assistance aux compatriotes. D'après ça, vous faites connaître. En suivant. Je dis, nous sommes capables de dire nous avons une mission d'évaluation, nous pratiquement fait paraître.
et nous avons un rendez-vous avec CBP, alors chef et Customs Border Protection, pour nous capables d'acquérir nous de informations sur les migrants qui en bas pour un et process que utiliser pour être capable et faire processus là. Alors donc actuellement là nous dans et centre de transition hein, parce que ça c'est une bagaille qui est important pour nous capable garder dans quelle situation nous noyer et rencontrer tout avec organisation qui sous terrain hein, pour nous garder qui gens assistance capable coordonner et ensuite pour nous garder tout qui gens consulat bon côté Pali en li capable porter assistance li nous ensemble avec et consul général Haïti qui est dans Chicago qui c'est monsieur Marc Yves Saint Victor. Donc c'est une mission conjointe sous instruction gouvernement haïtien que nous avons mené au niveau de Texas Del Rio une façon pour nous capable porter assistance une façon pour nous capable porter assistance nous by communauté haïtienne plus précisément by migrants qui dans situation difficile ça qui a vivre. Alors une bagaille qui est intéressant c'est que nous t'ai chance pour nous capable rencontrer avec autorité américaine yo, et qui a travaillé directement dans cadre pour alors situation moun qui en bas point et moun qui a fait process pour connaître est-ce qu'il a prêté ou bien est-ce qu'il a déporté. Et non pas c'est Marc-Yves Saint-Victor, conseiller général Haïti dans Chicago, et qui l'a jeudi accompagné de Mme Nogajan, conseiller général Haïti dans Atlanta et toute une équipe de différentes consulats pour nous enquérir nous de situation et compatriotes nous qui arrivent là en bas point Del Rio et garder dans quelle mesure le gouvernement capable à travers nous-mêmes porter assistance à nous-mêmes et assurer que nous suivons parcours en traitement égalitaire et de bon traitement et dans la situation ça qu'il y a aujourd'hui. Vous avez visité ces points? Oui, hier, nous avons rencontré avec les autorités américaines, particulièrement les chefs et staff CBP1, sous site là, et côté que nous évaluer et visualiser le travail qu'il a fait pour capable relocaliser les migrants et compatriotes qui avaient une situation qui est assez difficile. Est-ce que vous faites des recommandations à partir de ça ouais? Dis-nous ça ouais, exactement, conditions. Bon, et c'est des conditions qui quand même appelé à compassion nous, qui touchent compassion nous. Et ben nous, ouais, qu'il y a fait un série de travail. Responsable justice à la paix ont souhaité tout pays qui a rapport avec les migrants haïtiens tant que Chili, Brésil, Équateur, Colombie, Mexique et États-Unis respecter sa convention sur droit migrant dit en faveur haïtien. Directrice exécutive Gilles Laplace, Jocelyne Colanoël, encourager l'autorité haïtienne pour recevoir haïtiens qui viennent dans bonnes conditions et lui permettre de jouer moyen pour réintégrer tête dans le pays. C'est une situation qui choquait tout le monde, qui choquait nous tous, parce que nous posons diverses questions qui ont fait tout le monde ça, fait arriver dans le ça et fait arriver dans le ça. Depuis qu'il est là, qui calte mobilisation qui fait dans le pays côté hôtelier et qui mène là. Ou bien est-ce que tout le monde ça y a été gagné dans l'idée déjà c'était États-Unis qui était destination et finale. Il y a une bonne question qu'on est capable de poser et qui est mérité jouer une réponse. Mais en attendant, il y a là et gagné une décision qu'a prendre au niveau États-Unis pour vous retourner ici là. Et en Haïti, et alors que tout, en plus, information déjà dit que le Mounsayo qui pouvait être Texas, ce n'est pas en Haïti directement. Il est sorti, et c'est moi qui était dehors depuis plusieurs années, et qui était déjà passé dans plusieurs autres pays, et puis qui vivait aux États-Unis, et Kounia. Et même nous croyons que dans nos conventions qui gagnent un sous droit migrant, et nous croyons que comme migrant, ils ont besoin de traiter bien tant que monde, mais tout
et nous croyons que et puis gros et parole et puis gros et proposition doit aller joindre autorité et dans l'état haïtien pour yo connaître que et faut que créer condition dans pays a ou haïtien capable veut rester en dans pays a ou haïtien capable et plutôt et chercher construire et mon pays d'Haïti qui se pays par eux parce que par aucun autre pays côté haïtien trouvé qui se pays eux c'est Haïti qui pays par eux. Dossier migrant haïtien toujours vice-président américain Kamala Harris critiqué mardi 21 septembre traitement immigrant haïtien aussi sous frontière Texas en pays États-Unis et Mexique. Kamala Harris qualifié image comme triste pendant les dit quoi monde pas d'abord a besoin de genre de traitement ça. What I saw depicted image mon voix de monde qui sous soir qui t'a traité migrant comme ça déplorable et bien appuyé à toute force moi ça qu'a passé comme rien qui c'est une enquête profonde pour chercher connait ça qu'a passé l'autre bois chrétien vivant pas ta jambe doit subir traitement comme ça ça bouleverse mon pile et m'a discuté sur ça avec secrétaire Mayorkas aujourd'hui. Haïti, c'est un pays qui fait face à un paquet de tragédies, désastres naturels, assassinats présidents. Et vraiment, il faut qu'on fasse plus et puis reconnaître que, en tant que membre communauté occidentale, il faut qu'on appuie les besoins essentiels peuple haïtien gagnant pour qu'on recampe sous deux pieds et faire ça tout le peuple voulait faire. Tant qu'on monde Amérique centrale, il veut arrêter la caille, il ne veut pas voulait quitter le pays. What folks nationally want to do, be it them from Haiti or in the countries in Central America, people want to stay home, they don't want to leave home. L'autre réaction sur le dossier, ça toujours, groupe Capapié, rapatrié, réfugié, au gars, déploré façon autorité américaine et autres, traité haïtien, cap chercher aide humanitaire sous frontière Mexique avec États-Unis. Responsable communication d'Aola, Mike Lysias, demandé pour autorité pays Mexique avec États-Unis prendre en considération haïtien ça y cap vivre moment difficile sous frontière. Quand pile haïtien qui vivait dans la frontière, qui trouvait en bas pour moi, qui n'a pas de documentation. Parce que en pile dans les documents ont perdu sur route, ils volent pour l'affaire, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de papier vraiment pour identifier vraiment. Et ce n'est pas des gens qui peuvent faire une demande vraiment formelle que vous avez besoin de visa, pour vous capable d'entrer dans la situation humanitaire que les migrants haïtiens ont trouvé dans la frontière. Nous pensons que tu as supposé qu'il y ait une considération qui est faite pour empêcher que la situation nous-mêmes détériore, pour empêcher que la situation nous-mêmes soit plus aggravée par rapport à Jean Royer déjà. Parce que l'image montre nous sur les réseaux sociaux, nous avons des photos, nous avons des vidéos, dans quelles conditions nous avons vivre côté de l'Ambayon Pont, par quelle assistance humanitaire que nous avons. Et nous-mêmes nous dénoncer ça, nous déplorer le fait que l'autorité, que ce soit de côté États-Unis, que ce soit bon côté pays Mexique, qui n'ont pas vraiment bah, une assistance à tous les migrants qui vraiment dans grande difficulté dans zone frontière. Premier ministre Ariel Henry dit attristé devant tracas, problème haïtien confronté sous frontière entre Mexique et États-Unis. Chef gouvernement fait qu'on a une disposition qu'à prendre pour accueillir compatriotes dans dignité. Problème action ici tant qu'on l'autre bord de l'eau. C'est avec un peu de la peine, n'a regardé sur les réseaux sociaux, ak nan télévision, et puis n'a attendu dans la radio, tribulation ak pénitence, frère ak chenou a subi dans la frontière pays Mexique ak États-Unis. Image sa yo simé la troublage dans que nous, et puis toucher dignité tout haïtien. Qu'est-ce que soit, ça je pense, quel que soit côté yoye. On a constaté bal cité frère actionnaire dans pays ça yo, c'est une obligation pour moi comme chef gouvernement pour porter tout support par organisation ak moun k'ap travay avec migrants ça yo. Depuis le monde est monde, t'es toujours des migrants avec immigrants. C'est peut-être ça. Moi passe instruction par toute autorité haïtienne ici comme l'autre bord qui concernait par question ça, pour mener bonne enquête, à faire bonne évaluation, situation,
pour faire une proposition rapide au presto pour nous voir qui gens pour nous accompagner frère action yo dans malais pandier ça frère action haïtien on nous mettait tête nous ensemble pour nous capable vivre bien la caille nous sans que nous pas prendre honte ça yo frère action yo on nous mettait tête ensemble pour nous bâtir un autre pays côté tout petit peuple là capable vivre tant qu'un monde. Nous reconnaître que le pays noir a un pile problème. C'est peut-être ça, m'a fait tout ça qui n'a pouvoir moins. Même Jean, président Jovenel Moïse, t'a demandé ça pour mettre sous pied bonne structure pour organiser élection libre et honnête pour la paix qui a blahi dans tout le pays. Et puis comme ça, nous allons mieux pour tout le monde sans distinction. Malgré crabe la pagra, nous décidons pour nous accompagner frère action qui a tourné la caille dans le pays pour être capable de recommencer à organiser comme ça doit. Frère action moi partager souffrance nous à toute peine que nous avons endurée. Et m'a demandé tout haïtien et haïtienne à la ronde bade pour battre le pays à une chance. M'a dit nous, la caille a un problème, c'est vrai. Mais la caille, c'est la caille. La fermé dossier immigration pour nous parler de conjoncture politique là, pour nous faire connaître Fédération nationale Kazakh haïtien félicite l'initiative qui prend pour faciliter Chita parler dans les divers acteurs dans le pays pour joindre une solution à la crise là. Dirigeant Fenakayo souhaitait dirigeant yo intégrer élu local yo et spécialement Kazakh yo dans cadre Chita parler ça qui est important pour le pays. En suivant extrait micro Rodney d'Orléans avec Michel Joseph. Nous encourageons Chita Palais qu'a fait entre différents acteurs et différentes partis politiques dans le pays qui pas qu'on habite Chita. Je vous dis à Chita et nous-mêmes dans la Fédération nationale là, nous sommes bon bagaille parce que haïtiens commencer à chita avec haïtien. Mais nous dit tout. Pays d'Haïti, c'est pas Port-au-Prince. Pays d'Haïti, c'est 10 départements, c'est 672 sections communales. Yo, nous plus fort. Nous plus. Parce que section communale, yo, gagne plus passé 70% population. Haïtien qui vivent là-dedans. Nous sommes mandataires Mounsa. Quel que soit, Chita parle qu'a fait, tant qu'on continue à faire depuis plusieurs années, on continue à parler dans nos peuples, on dit peuple en dehors. Peuple qui est dans la section communale, on parle là-dedans. Fenaka et Fenazek viennent dire non. Dans le siècle, ça n'est pas à la mode. Ça a été qu'on fait aujourd'hui, côté 4, 5, 10 politiciens qui n'ont pas réuni en quantité de monde, viennent parler dans tout le monde, nous-mêmes dans la collectivité, par rapport à force population. Mandat population. Ben nous, aujourd'hui, nous venons dire arrête là. Notre point, le journal là, Premier ministre Ariel Henry et même gouvernement déposé lundi 20 septembre, yon jeb fleur dans Mipana dans le cadre de célébration anniversaire naissance Jean-Jacques Dessalines. Dans l'occasion, chef gouvernement Ariel Henry fait appel pour la paix, l'union et puis réconciliation dans la société à Lionel Jean-Louis. Abdinou plus. Premier ministre Ariel Henry qui était gagné à Cli, ministre qui tient à communication à Jean-Emmanuel Jacquet, et puis l'autre membre du gouvernement déposé un jeb fle dans Mipana pour honorer mémoire Papa Nation. Chef gouvernement a déclaré, bataille de Saline tap menéen, c'est pas pour une société divisée, côté génie ap quitter pays pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté. Docteur Ariel Henry Kouet, c'est l'occasion pour méditer sous vision Jean-Jacques Dessalines. Ce 233e anniversaire de naissance de l'empereur est pour nous tous, haïtiennes, haïtiens, l'occasion de nous remémorer les prouesses et les exploits de tous ceux qui se sont sacrifiés pour nous léguer cette patrie.
le rêve de liberté et de grandeur qui s'est cristallisé en action pérenne doit continuer à germer dans notre âme comme un phare qui illumine les sentiers ténébreux de l'obscurantisme. Mais qu'avons-nous fait de ce rêve grandiose? Quand nous contemplons ce qu'est devenu cette terre que Jean-Jacques Dessalines et ses valeureux compagnons de lutte nous ont léguée, nous devons avoir le courage et l'honnêteté d'admettre que nous sommes passés à côté. Car il ne s'est pas battu aussi héroïquement avec en tête cette devise « L'union fait la force » pour qu'aujourd'hui nous soyons une nation aussi divisée, aussi déchirée. Il n'a pas mis en déroute les puissances coloniales pour qu'aujourd'hui nos enfants quittent cette terre par milliers pour aller chercher ailleurs l'espoir d'une vie meilleure et finir par se faire refouler. Il n'a pas conquis si durement notre liberté pour qu'aujourd'hui quelques individus regroupés dans des gangs nous privent du droit de circuler en toute liberté dans certaines zones de notre territoire. En ce 20 septembre 2021, c'est pour nous un devoir de mémoire à l'endroit de l'empereur que d'évoquer le souvenir glorieux de sa naissance. C'est l'occasion pour nous d'observer une halte, envie de méditer sur les actes héroïques de l'empereur, caractéristiques de sa vision politique et de son idéal de liberté qu'il considérait comme un sacre, que n'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays, s'était-il exclamé. Premier ministre Ariel Henry fait connaître, puis le cadeau acteur est capable d'offrir Jean-Jacques Dessalines, se mettre tête ensemble pour améliorer les conditions de la vie de la population. Je vous annonce le grand titre journal là, 1250 personnes jouent à l'arrestation pour vol, viol et détention d'armes illégales. Plusieurs machines ont été saisies dans le cadre d'opération marché pour yo qui tombent depuis le 1er août. C'est ça, porte-parole institution, la police là, fait qu'on est. Opération ça qui lancé dans tous 10 départements PIA, qui a pour objectif croire bandits qui veulent simuler la troublée sur le territoire. Porte-parole là, Marie-Michel Verrier dit qu'on compte sur collaboration population dans le cadre d'opération SILA. Écoutez. Sorti 1er août, arrivé 20 septembre, dans le cadre d'opération qui baptisé Marché Brayon, la police arrivé procéder avec arrestation 1250 individus pour association de malfaiteurs, vol, viol, détention illégale d'armes. Nous parmi les gens qui ont arrêté, il y a 4 qui ont arrêté pour kidnapping. Nous avons fait nous connaître. Pour qu'il y ait non gens à qui dossier kidnapping est impliqué, la police choisit pour parler de ça, pour bien enquêter là. Il y a 26 âmes qui arrivent saisies. Il y a 21 voitures qui arrivent saisies. 3 camions, 54 motocyclettes. Nous avons souligné, les motocyclettes sont en pile. Ces motocyclettes, ils volaient, non mais l'autre monde. Et ils distribuaient par l'autre jeune garçon qui pouvait faire taxi et qui pouvait servir antenne pour bandits. Et il y a plusieurs bandits qui arrivaient stopper. Quelques interventions, la police arrivait réaliser. Dans la date qui était 17 pour arriver 20 septembre, la police fait plusieurs interventions dans le coin des bouquets. Côté Téguin, plusieurs échanges entre la police et plusieurs bandits. La police arrive à saisir un camion que les bandits ont utilisé en démarche tabac. Un pick-up que plusieurs bandits ont aboli, ont couru quitter. Pendant ont échangé avec la police, ils ont couru quitter une machine qui a aboli. PNH a gagné un policier qui est blessé, malheureusement, dans l'opération. Il y a plusieurs bandits qui ont stoppé. Il y a 35 motocyclettes qui ont été saisies. Il y a 75 personnes qui ont été appelées. Il y a parmi eux, la police a eu des informations sur eux déjà. Et la police a privé, travaille sur eux pour voir qui est eux. Et nous-mêmes, nous parlons pour nous informer de qui est eux qui joignent parmi eux. PNH a attiré attention à tout le monde. Dans les zones provinciaux, dans la capitale, là où il y a un contingent suspect de la CAIO, informez la police. Tout le monde est venu dans la zone. Il y a un suspect. Il n'y a pas dit rien. Et mal est arrivé.
Les nouveaux monde qui suspectent, informez la police. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous dans le ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Maintenant, on va regarder un pack économique 14 août la gagné sous pays d'Haïti. Un pays avant 14 août qui était déjà dans une situation économique très difficile. Tu as marqué pas sous place. Et même le temps qu'à 10, c'est tombé à ma débatte. Et même ma débatte là, il y a une question sous lit. Et là, je dis à la émission, on va surtout voir qui ça et 14 août là fait. En termes de dégâts, mais tout comme on est capable de tirer le son de lui pour nous reconstruire mieux, pour nous capable de refonder l'État, pourquoi pas, un État qui est plus au service de la population, un État qui n'a rien qui va être moyen pour faire face à la catastrophe naturelle, parce que nous voulons pas voulons, a toujours des tremblements de terre, nous sommes sous cyclone, catastrophe naturelle, pas quitter nous en repos, c'est nous pour mettre dans la condition pour nous capable de gérer et bien gérer. Reconstruire à partir du sud. C'est autour de ça, l'émission jeudi après le déroulé, pendant que certainement nous allons regarder qui ça pour nous faire, pour nous gérer l'urgence. Ce monde-là, si tu as besoin de l'eau, besoin d'abri, besoin de manger, n'est-ce pas vrai, avant d'arriver dans la phase relèvement. Et pour nous faire ça matin, on a pu recevoir le professeur Enomi Germain, économiste de son état. C'est lui qui peut aider nous, faire exercice ça, garder un paquet, mais tout garder qui ça nous cap fait pour nous sortir, garder le son 12 janvier 2010, on connaît quand pile l'argent. Qui te promettent, qui passent tout, hein, après 12 janvier 2010, mais regarde les résultats, l'agence à là, vraiment, c'est le résultat qui laissait à désirer jusqu'à présent, reconstruction, centre-ville Port-au-Prince, c'est ça lié. Et si nous descendons à la ville là, nous sommes capables de faire constat. Est-ce que nous sommes obligés de reprendre le même modèle ça? Est-ce que nous sommes obligés de faire le même erreur tout le temps? Et nous sommes jamais répondre nous matin sur ça. Professeur Germain, merci en pile, parce que nous sommes disponibles pour TNH matin. Allô, et bonjour Sergino, c'est un plaisir pour que, comme d'habitude, moi à coup. Et qui aime saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Et je pense que nous participons à une belle émission. Parfait. 14 août arrivé, et catastrophe naturelle, il a toujours mis Haïti à genoux. Je vais garder quelques chiffres là pour ce Germain. En 2004-2016, c'est plus passé 12 milliards de dollars américains de pertes qui dû à catastrophe naturelle en Haïti. Ça t'a dit que son bar est incontournable, mais nous pas toujours parler pour nous faire face à eux. En effet, ça arrive à ce qu'on dit pays a de manière globale, ou bien soit prend l'économie, comme on a parlé de l'économie, eh bien, on a l'impression de gagner deux gros ennemis. Premier ennemi, évidemment, c'est ça, les catastrophes naturelles, puisque et à chaque instant, pays a voulu constituer un minimum de richesse, eh bien, richesse, ils sont partis en fumée, soufflés, et à cause de catastrophes naturelles, parce qu'il ne faut pas oublier. Là, on a parlé de développement en pays, donc on doit parler tout de ça, ou les croissances économiques pays a. Mais en général, pour pays à arriver à un niveau on dit acceptable, il faut que justement la croissance soit soutenue. C'est-à-dire que la croissance soit capable de renouveler. C'est-à-dire que cette année, nous faisons croissance, l'année prochaine, nous faisons l'autre croissance qui est ajoutée sur lui jusqu'à ce que justement, on construit le développement en quelque sorte. Mais ce qui se passe avec l'économie haïtienne, c'est qu'à chaque instant, pays ça a fondé croissance, et mes croissances sont parties justement, et bien à cause de catastrophes naturelles, croissance là, l'y écrasé justement à cause de catastrophes naturelles. Autrement dit, catastrophe naturelle là, empêcher pays à faire ça ou l'accumulation, parce que accumulation sont processus normal en matière de développement, que ce soit en matière de croissance en individu sur le plan économique ou bien au pays, donc il faut faire l'accumulation. Mais catastrophe naturelle lui en général, comme nous pas parler pour lui chaque année, et bien lui empêcher nous faire accumulation. Exemple, c'est 12 janvier 2010, comme on va le parler de Lila, très certainement, le pays a perdu 120% dans le PIB. Ça veut dire richesse créée pendant l'année. Le pays a perdu 120% la donne. C'est-à-dire que on a une situation de croissance négative. Et ce n'est pas sans raison. Ouais, après 2010, c'est-à-dire, et soit regarder 2010 quand même, c'est une croissance négative. Le pays a été fait de moins 5,5%. Ça c'est un. Mais soit prendre le Grand Sud, on va parler de Lila, en 2016. Le Grand Sud subit des pertes et dommages qui estimaient, tenez bien, à 32% PIB national là. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que à chaque instant, pays a tardé dans une situation pour passer à l'accumulation, eh bien, on gagne un ensemble de chocs. Et chocs, ça arrive le plus souvent, c'est un, des chocs naturels justement qui détruisent richesse, ou bien c'est le deuxième choc là, d'après le ballon de l'île, qui c'est ça, les chocs sociopolitiques. Comme pays a en général son pays qui est stable politiquement, eh bien, lorsqu'on met des chocs naturels, ça va choc politique, eh bien, justement, ils participent justement à détruire l'ensemble des richesses nationales. Alors, nous sommes ici 12 janvier 2010. Et ça ne va même chita sur tout ce qu'on nous prend après 2010. Mais tout pas trop loin de nous, nous sommes juste à Mathieu qui fait Grand Sud là.
et je dis à nous faire face à 14 août 2021, selon vous, c'est le sonnement qu'apprend qui fait qu'à chaque fois, nous pas qu'arriver sorti, ne pas ça va passer? Définitivement. Et ça qui arrive, c'est que, en général, le pays a fait de mauvaises expériences comme ça, c'est-à-dire que des pays qui étaient victimes d'un ensemble de catastrophes, catastrophes humaines, catastrophes naturelles en général, ils apprennent le son, ils font ça, ils ont la capitalisation des leçons apprises. C'est-à-dire que le son, ils mettent de côté pour que si une situation pas similaire, les situations ne sont jamais similaires, si une situation semblable présenté, eh bien justement pour qu'elle prenne le son yo pour faire face à la situation yo. Et bien pays d'Haïti son pays qui ont problème en matière justement de capitalisation. Et pas seulement dans le domaine naturel. Pays ça, par exemple, toute expérience qu'il fait sur le plan politique, il répète yo encore. Tout erreur, il répète yo encore. Pas même politique dans le niveau PIBA, dans le domaine éducation, dans le domaine santé. Donc bon problème de capitalisation, par exemple, en matière de développement. Chaque gouvernement qui vient, il y a un plan de développement. Par exemple, un PSDH. Mais depuis gouvernement, en tout cas qui était sous place depuis 2012, là, finalé pratiquement, ou presque pas jamais entendu parler de PSDH, donc on suivi que pas fait. Donc nous pas capitaliser sous document et nous pas capitaliser sous peut-être effort qui était consenti. C'est la même chose dans le domaine gestion catastrophe naturelle dans le pays. Ça, c'est que ou pas jamais apprendre le son yo, pour que le pays apprenne à construire sa résilience par rapport aux catastrophes naturelles. Et comme le pays n'a pas appris la leçon résilience pas et pas construit en quelque sorte, et bien chaque catastrophe que le pays a subie, ou bien l'impression son première catastrophe, puisque on recommence avec les tentatives en général et très incompétentes que l'autorité a fait en quelque sorte pour sortir de situation ça. Et lorsqu'elle fait comme ça, on va avoir un perpétuel recommencement et un pays ne se construit pas de la sorte. Ça arrive, c'est ignorance, mauvaise foi, négligence qui fait que ne sont pas jamais arrivés à apprendre. Non, bon, pas fin quoi son problème et ignorance, pas c'est que son problème de vision, problème de choix. Ça que fait, c'est que depuis quelques temps en Haïti, soit regarder les 20 dernières années, ou un ensemble d'autorités qui pas gagné une vision manifeste pour le progrès de ce pays. C'est pas que vous pas connaît, non, parce qu'en pile d'un monde qui dans des sphères du pouvoir, etc., c'est des monde qui étaient formés, souvelés, même côté à des monde qui ont des résultats dans le pays. Le plus souvent, c'est plus compétent passé eux-mêmes. Donc, là où ils viennent en Haïti, en pile là-dedans, évidemment, ils sont bloqués par l'organisation sociopolitique ou administrative que l'on a en Haïti. C'est-à-dire, ils sont accablés des individus bloqués par le système, comme dit le livre moyen. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les autorités, les plus hautes autorités en quelque sorte, eh bien, ils ont gagné ça ou une vision court-termiste. Vision court-termiste, ce ne sont pas des hommes d'État qui pensent le futur véritablement. C'est des gens qui pensent pas même à réélection prochaine, you know, mais c'est comment justement ils ont entré dans un cycle d'accumulation de richesses aux grandes dames de cette population. Et comme ils ont occupé à un ensemble de stratagèmes, un ensemble de mécanismes honteux d'accumulation de richesses, eh bien, ils ont oublié ça, c'est le bien commun. Le bien commun qui s'est construit en pays où il fait bon de vivre, lorsque ils n'ont pas le pouvoir encore pour vivre, eh bien, ils n'ont pas pensé à ça du tout. Donc, vous pensez que le véritable problème, c'est un problème de vision pour le progrès, un problème de vision pour le changement. Donc, les gens, généralement, qui, dans tête pouvoir, c'est des gens qui ont pensé justement à demain, comment ils ont accumulé richesses pour Porsche, sans penser justement, eh bien, à bien-être collectif là, à bien commun, pour que nous fait payer ça au pays côté tout le monde. Alors ce modèle l'État qui n'est pas à la hauteur, c'est qualité élite qui n'est pas répondre à la responsabilité, c'est société civile que nous avons là qui est amorphe, qui fait que nous l'avons toujours selon vous. Oui, parce que l'on parle de système évidemment, il y a toute structuration ça à la donne. C'est-à-dire que il y a la donne des institutions politiques, il y a la donne des institutions de la société civile, il y a la donne de l'université, il y a pile comme si c'était composantes en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne combinaison de ces composantes qui mettent ensemble, qui dit que, écoutez, on nous oriente le pays dans tel sens ou l'autre. Parce que c'est eux qui définissent ça, le système. Non? Parce que le système n'est pas lié. Son mode d'organisation administrative, sociale, politique, oui, que le pays a adopté de façon claire ou non claire, ou voilée, oui. C'est ça lié en général. Donc ça veut dire que mode d'organisation qui met en place, qui, eh bien, de manière très subtile, d'accord par toute élite, son mode d'organisation qui est perméable au changement, son mode d'organisation qui est perméable au développement économique et social. Mais nous, on n'a pas de résultat, mais malgré ça, l'été, il kembe, ou bien l'impression que les gens bataillent pour kembe toujours. Ça passe selon. Non, mais le système, il y a toujours des défenseurs.
C'est-à-dire que le système doit avoir des gens qui bataillent pour perpétuer, le système doit avoir des gens qui corrigent des imperfections lorsque justement ils veulent atteindre le déclin. Et c'est pour ça, justement, en général, dans la société, c'est le gros de la population, peut-être non soulèvement, je ne sais pas si c'est révolution, mais non soulèvement important, non soulèvement qui pesait justement, qui en général mandait pour un destin aux mains, parce que c'est des forces contradictoires, parce qu'en société, c'est ça, on relève en tout complexe. En tout complexe, je le dis, ou ensemble complexe. Ensemble complexe, ça, il y a des gens qui ont tiré comme si Mdadou, ficelle-là, non sens ou non l'autre. Par exemple, on parle d'un système, je dis, nous disons son système qui n'a pas de résultat, c'est ce qu'on dit. Mais système qui n'a pas de résultat, pas de résultat pour la population de manière générale, mais il y a des populations, il y a des résultats pour une catégorie de monde. C'est pour ça, justement, qu'on a un ensemble d'individus, un ensemble de personnalités qui ne parlent pas de l'autre côté qu'en Haïti. Donc, ils sont confortables dans ce gain-là, et d'ailleurs, ils sont contribuer à mettre là et me sauter ça, yo contribuer à faire le perpétuer justement parce que ça là il favorable à qui. Et mais comme société à son tout complexe, il y a pas aller dans tel sens, et bien l'autre catégorie qui a aller dans le sens contraire là. Et bien comme il y a deux catégories, mais plusieurs catégories comme c'est un tout complexe, cap bataille, en général, monde qui détenteur de capital, c'est yo gagné. Non, société tant que société haïtienne, non. Les plus puissants, ce sont les détenteurs de capitaux. Et détenteurs de capitaux, ça, c'est eux qui utilisent tout levier social, parce qu'on a parlé d'un pays qui a un ensemble d'institutions faibles, institutions de la société civile. C'est-à-dire qu'ils ont une revendication très crédible, une revendication qui est dans le sens de la population. Mais étant donné les détenteurs de capital qu'on est, que ces gens-là qui font partie de la société civile ou de la grande majorité, c'est des vulnérables que vous avez, ils ont utilisé justement leurs capitaux pour que yo influencer dans tel sens ou non l'autre, ou bien yo rend pays à non vivable, ou bien yo attaqué yo et par moyen violence, yo violenté yo, ou bien yo détruire tout simplement, ça plaît des fêtes dans pays à. Duvalier a commencé pratiquement en tentative qui pas pareil mais qui semblable à ça, c'est que Duvalier t'a chassé tout le monde qui connaît le pays à un moment donné pour pas entrer dans la politique. C'est pour ça par exemple sous Duvalier bon vague justement d'émigration. C'est-à-dire un ensemble de monde qui est très bien formé et mais cap qui était pays à pour aller justement et mais, notamment en Amérique du Nord, il y a aller aux États-Unis, il y a aller au Canada et une grande partie qui est en France. Tout. Mais il y a aller en Afrique évidemment. Mais maintenant après Duvalier, vient toujours gagner difficulté pour que une catégorie entre dans la politique, mais élite économique en général, l'autre minorité que tu as vu entrer dans la politique en soi, il a servi, il a un esclave, c'est-à-dire que c'est eux qui mettent sous pouvoir, c'est eux qui demandent pour faire, qui pour prendre des décisions pour eux. Si catégorie privée allait pour contre client lui-même qui s'allait chercher ses intérêts économiques immédiats. Donc société, il y a éléments complexes, c'est des éléments sociopolitiques, c'est des éléments sociologiques et politiques en même temps. Éléments complexes, ça au fait que en société, pour arriver pour une direction pour l'autre, il faut un ou un gros leader qui a vu ça. Et deuxièmement, deuxièmement, il faut gagner le goût de la population qui voulait changement. Soit regarder par exemple, et dans les années 1968, ça arrivait pratiquement en France. Ça arrivait en France. C'est qu'au Charles de Gaulle, qui appuyait par une forte partie de la population, qui sortit la France dans une situation d'extrême difficulté. En pile l'autre pays qui est pratiquement même histoire, ça, soit regarder le Rwanda, par exemple, que nous aimons on n'a pas analysé notre situation. Son pays subit dont guerre sociale extrêmement violente, qui baille, sont les destructions des milliers de Rwandais. En quelque sorte, mais ça que veut finalement un leader qui doté d'une véritable vision, qui appuyé par une forte partie de la population, qui justement dicte la voix, qui dit voilà là où se trouve la lumière, et dit on marche vers la lumière. En Haïti, on est en mal de trouver ce leader et souvler cette manifestation populaire pour que nous sortions de cette là. Justement, manifestation populaire, ça, que nous dit ça passer pour qu'il ne s'allait pas qu'à. Et on va rejoindre l'autre pays, on sort le système qui a produit pauvreté chaque année. Dans le monde plus pauvre, conditions de population pas forcément améliorées, qualité de l'école nous n'a pas formé des citoyens pour répondre à fait développement pays. Son pays n'a pas marché, son pays n'a pas de résultats, son pays côté nous a mal vivre, même soi-disant monde qui a travaillé. Ça aura à pas permettre de construire tête ni construire famille. Étudiants, ou même qu'à l'université, ouais, métier à prendre, est-ce que le répond vraiment à sa besoin pays a? Et en plus, les gens ont fini à prendre métier, ça là, le travail là, le faire, ça l'a gagné, pas aider le faire, rien en termes d'améliorer la ville. Mais de ça n'a pas parlé. Et bien ça l'a pendant plus le temps, on a comme impression, monsieur, dame qui détente le capital, quoi, dit là, ils voulaient le quimber. Et question c'est, qu'est-ce que vous faites qui ça? Qu'est-ce que vous menez qui côté? Qu'est-ce que vous arrivez à qui ça?
Mais c'est là le problème, bon. Il y a un petit proverbe, une petite phrase d'année, la furieuse, t'es avancé, monsieur, donc, société haïtienne, non, il y a une pression, une classe d'affaires là-dedans, c'est ça, on peut le montrer les oligarques, c'est les détenteurs de capitaux. Je pense que si Oshita, justement, dans la first class là, reste population dans la classe économique là, le avion fait crash pas pour moi. Donc son erreur. Kembel pour qui ça? Kembel pour que vous continuez à accumuler capital, mais vous ne comprenez pas que l'accumulation capital ça le fragile. Parce que quand la population justement pas gagné encore pour le faire, pas gagné intérêt encore, et mais tout ça là fragile. Et ce n'est pas sans raison, évidemment, il y a l'autre facteur politique, il y a l'autre facteur de revendication, règlement de compte, mais ce n'est pas sans raison et que remarquez à chaque fois qu'il y a un soulèvement populaire, bon ensemble d'intérêts privés qui attaquent. C'est que Mounsayo, en général, dit évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui entrent là dans le facteur politique, revendication, règlement de compte, etc. Donc c'est que Mounsayo, il n'y a pas de monde qui a un capital, il y a connaît que Mounsayo participe dans ça, il y a bien là, dans ça, il y a vivre là en quelque sorte. Donc, et là, c'est que, il y a qu'un bel pour accumuler capital, il ne faut pas oublier, non, Mounsayo, comment vous considérez le pays à tout? Vous considérez le pays à pas, nous pas parler là d'un pays, d'un espace économique, non, parce qu'un espace économique qui a une théorie là-dedans, qui en tout cas, qui a participé à expliquer au lit, un ensemble d'infrastructures pour gagner, il faut que nous ayons un pouvoir d'achat, etc., pour que nous ayons une circulation de capitaux, c'est-à-dire que le capitaux a sorti nos mains là, non l'autre même. Mais ça qui vient en Haïti, c'est que nous, ça, on a parlé là, Sergi, nous, il faut comprendre bien, nous avons considéré le pays comme étant un espace transactionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui a besoin, que n'y a pas intéressé à, avec le fait de vivre là, c'est-à-dire population, bon pouvoir d'achat, ce n'est pas ça qui intéresse. C'est un espace de... C'est même la dilemme. Dilemme, vous voyez, en général, qui voyait le fait de transaction, c'est côté très éloigné, qui n'a pas vie pratiquement. Donc, son espace de transaction, nous venons là, nous faisons transaction, ça, vendredi après-midi, nous prenons un avion là. République Dominicaine, dans Miami, parce que justement c'est la résidence mouillée en quelque sorte. Donc malheureusement, n'a pas les là, dont élite ou dont forte partie dans l'élite économique là, qui justement pas gagné intérêt commun, ça, c'est-à-dire ce bien commun pas intéressé en quelque sorte, ils ont plutôt considéré le pays comme étant un espace de transaction. Mais maintenant, ils ne viennent pas eux-mêmes seulement détenteurs de capitaux, ça, ils viennent tout, on pas qu'un individu qui entre dans la politique à un moment donné, et comme politique dans son espace d'accumulation de richesses que lié, parce que il y en a moins, je dis, il faut le dire, pour riche en Haïti, c'est pas exemple ça, non, pour avoir un petit monde. Mais il y en a moins pour riche vite en Haïti, c'est arrivé, ils ont une responsabilité au niveau de l'État, parce que leur responsabilité au niveau de l'État, pas bien, n'a pas les dons de l'État à côté que tout robinet de corruption ont baissé, les véritables verrous de la corruption ont été sautés. Depuis les 10 dernières années, toutes verrous de corruption ont pratiquement sauté. Oui. Donc comme toutes verrous ont sauté, il est plus facile pour riche. Je ne parle pas aux amis, je ne m'a dit que. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas contre l'actualité, non. Mais il y a peut-être de cela et 15 ans. Sergino, le monde entré dans l'État, pas content de gagner niveau corruption, ça, non. Lorsqu'on parle de serviteur de l'État ou ministre, ça veut dire quelque chose. Mais ces derniers moments, comme toute verrou corruption sauté, il y a là seul moyen pour que comme c'est arrivé dans l'État. Donc tout le monde a besoin de passer par le marché politique justement pour gagner une responsabilité au niveau de l'État. Mais responsabilité, ce n'est pas à contribuer mais à la réalisation de la mission ou des missions de l'institution, mais c'est aller justement mettre un ensemble de mécanismes pour riches, malheureusement. Oui, mais là, tout c'est parce que société a d'une certaine manière d'accord quitter ça passé. Parce que là, on est entré dans l'État, ouais, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, on poste, et puis on a le temps qu'il pas de gagner, il a gagné seulement à 1000. Et puis il sorti avec une équipe fortune. Et tout le monde garde le danger, pas des personnes qui disent rien. Parce que dans la période de gouvernance, ce qui est intéressant, c'est reddition de compte. C'est reddition de compte. Si m'abgérer bien l'État, c'est pas tout le monde, c'est le bien commun, c'est bien population, c'est taxe mondiale. Faut population tout demander compte sur ça. Faut que population demande compte sur ça. Faut que société civile là, tout, 10 populations, faut demander compte pour ça. Parce que c'est ça, vous l'accomplissez dans des ordres là. Les complices dans des ordres là le plus souvent. Donc ça veut dire problème dans les vignes complexes. Mais ça doit comprendre, Sergino, c'est que. Et bien société qui prend plus de temps que l'autre pour végéter dans une situation d'acceptation. C'est-à-dire que nous acceptons un bagage qui a fait là, en situation, nous connaissons une situation de corruption, nous acceptons. Mais société, ça n'a pas demandé pour lever, peut-être que société a pour arriver à une maturité qu'il faut pour que les lever en quelque sorte. Parce que moi, je fais partie de monde qui pensait que le pays n'a pas arrêté comme ça et le pays n'a pas arrêté comme ça. C'est-à-dire que le pays a un ensemble de potentialités qui, jeudi ou bien demain, a conjugué fort. Combien de temps peut-être des pays dans le monde, des pays africains, des pays de l'Europe ou bien l'autre pays, t'es prêt pour sortir dans la situation où il y a. Moi-même, avant pratiquement, eh bien, nous ne connaissons pas. Qui est-ce qui dit pour population a pleuvé demain, il n'y a pas pleuvé après 2 mois, après 3 mois pour que le monde ait un véritable changement. En plus, la population a trompé le tout.
En pile fois le tromper, c'est-à-dire que le miser sur des mondes, il pensait qu'à bas résultat, pas bas résultat, mais il tromper en pile fois de bonne foi, en pile fois tout le tromper de l'ensemble d'individus, ou bien en pile fois le tromper tout, de la, face à une absence de projet qui est meilleur que le monde libre ou en quelque sorte. Moi, je pense que c'est vrai que la société ça plaide, en tout cas, et population a plaidé tromper, mais écoutez, moi, je pense que à bon moment de maturité, côté que population, hein, lui-même la prend des termes. Hein. Vous connaissez ça, ça puis même pas comprendre. Ça t'a dérangé que M. Damio démocratiser crédit. On a un projet, on forme un garçon un projet, puis aller dans l'institution qui a prêté mon argent, et puis il y a des projets, un projet intéressant, et puis il y a le compte pour le café projet. Ça t'a dérangé que des petits jeunes qui excellent à l'école, et puis nous avons des bourses d'excellence pour aller étudier, et puis pour retourner là, venir de faire développement pays. Non, d'abord, ça que veut, c'est que le développement pays, on va parler à son perspective. D'abord, il n'y a pas cette perspective. C'est-à-dire, ces perspectives-là pour gagner, pour que d'abord, nous disons, faut que nous investissions dans l'éducation, faut que nous investissions dans la question business, faut investir dans l'ensemble de bagages. Maintenant, par rapport à crédit, d'abord, hein, ça que veut, c'est que, son barrière à l'entrée qui est liée sur le marché business en Haïti. C'est pour ça qu'on va avoir crédit. Sergino Sacrivé et bon ensemble de domaines en Haïti, où toujours tendez ou dit que domaine ça yo, tel monde pas qu'à investir là-dedans. Bon ensemble d'entrepreneurs qui veulent importer un ensemble de biens, leur arrive la douane, ils ne doivent pas importer bien. C'est qu'il y a des familles qui déjà gagné le monopole de l'importation, et comme il y a un monopole d'importation, pas qu'il doit importer. Donc son bagage qui est tout à fait illégal pratiquement. Mais c'est même gentil. Donc ça veut dire son barrière à l'entrée sur le marché. La deuxième chose, c'est que en pile faut gagner des projets d'entreprise. Mais sous faire entreprise, au bas la concurrence, c'est qui laisse. Ou bien le concurrent, c'est justement moun sa yo qui plus gagne accès à crédit. Et bien donc, yo dresser cette barrière à l'entrée sur le marché de crédit pour pas qu'il rentre sous lui. Et comme yo pas qu'il rentre sous lui, pas bien concurrence. Et comme pas bien concurrence, yo bon pouvoir de négociation des prix. C'est-à-dire, en général, c'est yo qui fixe les prix. Yo, évidemment, moun qui n'a mis économique jusqu'à un certain niveau, puisque monopole là le contraint par les prix en quelque sorte. Mais yo bon capacité pour que yo fait plus profit, étant donné que yo c'est en quelque sorte au monopole. Donc, problème non démocratisé. Accès à crédit à son problème de comme si m'dado dont ensemble de ensemble de structures qui gagnent qui pavlaient pour entrer sur des marchés qui gagnent donc son barrière à l'entrée sur des marchés parce que l'entrée sur marché a un ensemble de monde qui va le concurrencer et monde ça aussi diriger le crédit dans ce pays malheureusement parce que en fait si tu as plus d'opportunités tu as plus de possibilités même mon café comme tu as fait plus comme et tu es capable d'accumuler faire accumulation avec beaucoup mieux quoi. C'est ça, vous ne comprenez pas en général, parce que moi, j'ai tant d'entrepreneurs qui disent que la République dominicaine vend pratiquement presque, en tout cas, plus de 10 fois machine neuve que Haïti vend par année. Mais pour qui ça? Parce que la population n'a pas un pouvoir d'achat. Parce que les gens qui travaillent, qui soi-disant n'ont bon travail, là, c'est machine PayPal qui a consommé. C'est ça. C'est machine PayPal qui a consommé. Pour qui ça? Parce que justement, l'inno-situation côté pouvoir d'achat extrêmement limité, qui toujours qu'un bel nom, espèce de précarité qui fait le pas qu'à parier sur l'avenir. Parce que pour acheter une machine, quel que soit côté, il y a une monde dans, c'est sur l'avenir, on parie. C'est une machine, on achète, par exemple, sur 5 ans, sur 3 ans pour payer. Mais là, on parie sur le fait qu'on a toujours joué un travail. Mais comme il y a un Québec, on est en précarité, on n'a pas joué un travail, on est comme ça, tout le monde n'est pas engagé. Mais ça arrive tous. Parfois, tu machines, tu as un marqueur social. Ouais, c'est pour snobber, c'est d'où son société de disparité. Ouais, yes. Monsieur Damio Patatoua Remel, l'autre pour nous sembler que c'est eux pour les machines neufs là, c'est pour imaginer un restaurant ça, c'est eux pour la qualité de vie ça. Ouais, c'est ça tout problème. Il faut regarder l'aspect ça tout. Oui, son système d'exclusion. Non, son système d'exclusion, si vous voulez, sur tout point pratiquement, que ce soit dans le domaine éducation. Éducation primaire, éducation secondaire, c'est exclusion pratiquement. Et que ce soit à un niveau accès à un ensemble d'espace, c'est exclusion. Ou ensemble d'accès à un ensemble de biens, c'est exclusion. Ou ensemble de services, par exemple, c'est exclusion. Il y a des gens qui ont accès, par exemple, à service santé, majorité de population pas gain. Il y a des gens qui, je dis, à la ambulance qui vient prendre, puis à l'hôpital aux États-Unis, majorité de population n'a absolument rien. Donc, non, mais son système d'exclusion globale, il suffit pour regarder les chiffres sur coefficient de Gini, c'est-à-dire comment pays a inégalité en matière de biens, en matière de services, ou à prendre en compte que société a fondamentalement son société d'exclusion. Et institutions, yo fondé de la sorte. C'est pour ça, par exemple, et majorité, moun sa ou n'a pas les deux, la grande entreprise en général, qui va offrir plus comme c'est dans l'État. Parce que comme population, pas de pièces moyennes, et bien, plus gros client, c'est l'État. Mais plus gros client, comment? C'est non à travers un ensemble de mécanismes de corruption, justement. Parce que pour prendre un contrat dans l'État, il faut prendre un contrat
contrat de manière irrégulière, faut prendre contrat justement avec un pile sur facturation pour monde dans l'état faire comme balle pour faire comme beau pratiquement. Donc eh bien donc population pas gagner pour gagner dans ça. Donc ça c'est fondamentalement exclusif hein. C'est dommage malheureusement tous sont société côté gagne monde qui monde, gagne monde qui pas monde. Et en fonction de ça, les services qu'on a accès à lui, les barrières qu'on n'a pas accès à lui. Oui, attendez. Toute société, en général, n'a pas de même niveau. Il n'y a pas de société homogène en matière d'accès à un ensemble de biens et de services. Mais il y a des minimums. Il y a des minimums pour que la population ait accès à elle qui dit que même si je n'ai pas accès à un niveau de luxe, ça a même mon vie décente que je mené en général. Et, mais le problème en Haïti, c'est que même nous ne pas même arriver dans niveau d'essence, ça n'a pas l'air. C'est-à-dire un ensemble de biens même qui en dit vitaux, c'est-à-dire qui nécessaire à la vie même de citoyens, de population, ils n'ont pas même accès à eux, alors qu'au minimum, qui a fonctionné dans l'opulence. Et c'est pour ça que la société Sao est extrêmement fragile, la société Sao, inégalité Sao, il faut pas oublier, non, il y a une source de tension sociale. Donc à n'importe quel instant, ou par l'abri d'un ensemble de gros tensions, et tensions Sao en général, il y a détruit un ensemble de biens que le monde qui pense qu'on a le luxe a gagné. Alors là, c'est... Peut-être que le professeur Samuel Peck a parlé de Québec. Il y a un certain moment qui a des problèmes. Et puis il y a une certaine conscience de classe. Des gens qui croient que, mon cher, par rapport avec côté de sorti, je ne pas quitter le reste de la population à niveau ça. Et puis on entend mieux. Et puis il était très cohérent tout dans des marchés. Et puis il fait que je dis à Québec ça lié. Tu as une volonté, tu as une conscience de classe. Et puis tu as toute détermination et toute dynamique qui marche avec ça. Pour aider les gens qui vivent. Mais malheureusement, conscience de classe, ça ne semble pas présent. Non, il n'est pas présent en Haïti, mais ce n'est pas même seulement Québec. Non, Québec est dans une situation comme ça, évidemment. Mm-hmm. Québec veut sortir, mais République Dominicaine a voué exemple en tout près nous là. Côté que, écoutez, yo y a un ensemble de ententes, il y a aussi d'accord sur yo entre yo, mais finalement qu'ils ont fait, yo dit société en a telle direction. Peut-être que je dis à la République Dominicaine, loin de Québec, mais la République Dominicaine, écoutez, je ne sais pas, sur la bonne voie de manière globale. C'est-à-dire que une gouvernance est qui plus ou moins acceptable, de mécanismes qu'on met en place pour répondre plus ou moins aux besoins de la population, qui pas existé en Haïti. Et c'est conscience sans besoin. Est-ce que conscience ça, mais au final, n'a pas rencontré le pays, à moins pour que toujours possible pour que nous rencontrions, mais maintenant, qui est-ce qui prend le bail les premiers signaux? Et c'est ça le véritable problème, là, c'est que, eh bien, où société a tardé pour jouer le monde qui a bail signaux. C'est pas pour, sans raison, en général, la société est dans une situation de difficulté, il y a toujours gagné des leaders qui émergent, qui viennent faire des propositions, et là-dedans, on a besoin des propositions qui sont crédibles, là-dedans, on a besoin des propositions qui sont très crédibles. Mais le problème en Haïti, c'est que il est très difficile, en tout cas, si on regarde les différentes crises que nous traversons là, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en crise, différentes crises que nous traversons là-haut, mais comme si l'idée, ça, il y a du mal à émerger, en quelque sorte. Maintenant, est-ce que le pape émerge au final, écoutez, moi-même, je crois que oui, mais maintenant, ce moment, il me dit l'homme, par contre, il est. C'est ça le problème, non. Et vous avez dit tout à l'heure, catastrophe politique qui mène nous là tout. Et malheureusement, en plus, nous, ici, pas d'accord faire compromis, pas d'accord entendre nous pour nous dire qui qualité de développement nous voulons pour payer ça. Et tout le monde est chef, malheureusement. Son seul président qui a toujours bien, tout le seul premier ministre, mais tout le monde est chef. Mm-hmm. Mais chef, pour faire qui ça? Chef pour aider dans qui ça? Personne ne connaît, d'ailleurs pendant toute cette dernière année, ça ne passe pas le chef, mais le résultat c'est ça où il y a, pays avec une plus pauvre, pays avec une plus pas dirigé, pays avec jamais de mal dédié, plus pas administré. Et puis, vous t'as qu'à dire, moi je me dis le pays se meurt. Oui, parce que ça, qu'est-ce que va tout le monde dire, les chefs là? Serge, là, on domaine, on discipline et les théories des jeux. Quelle est la stratégie dominante aujourd'hui pour un petit jeune qui a l'école, qui a l'université, qui est sous-marché, par exemple? Mais la stratégie dominante dans la politique, c'est la corruption. Hein? Parce que ça crivé, c'est ça payé pratiquement. C'est ça nous vendions comme modèle. Oui, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Mais c'est grave. La stratégie dominante pour que vous levez toute famille à terre, pour que vous même de manière, en tout cas sur le plan économique, vous sortiez vraiment son plan, sous point A après aller dans le point Z là pratiquement, seule stratégie A, c'est aller dans la politique, c'est faire corruption pratiquement. Parce que le modèle qu'on vend, c'est ça le modèle. Ces modèles ont ensemble de monde qui partent rien à un moment donné, qui seulement entraînent en politique et que la vie a changé. Ils sont déjà capables de comparer à des mondes qui font 20 ans, qui font 50 ans, qui font 60 ans de travail pratiquement, dans toute carrière pour construire une richesse. Donc, stratégie dominante, tout le monde qui est rationnel, je dis à tous ces jeunes qui sont dans l'université, c'est évidemment aller dans la politique. Mais puisque arrivé. C'est là qui permet aux riches, même si ce n'est pas le modèle qu'il faut vendre. Oui, mais attention, ça on peut-être pas comprendre. Lorsque je vis dans l'espace donné, puis c'est moi-même seulement ceci, mon situation d'insécurité par rapport à l'autre monde. Nos situations de désécurité, nos situations de fragilité globale par rapport à l'autre monde. Mais
pour contourner le problème ça qui ça vous fait malheureusement. Ça vous fait c'est faire comme là quitter pays à rapidement allons l'autre côté. Et mais c'est pour ça par exemple où tout le monde qui résident sur à l'étranger. C'est pour ça tout le monde qui est en politique ici madame yo petite pas vivre en Haïti. C'est que c'est ça me tout pays à son espace transactionnel. C'est vraiment espace côté que yo vinn faire l'argent et l'on fait l'argent ou elle vivre en l'autre côté à client quelque sorte. Donc c'est ça leur stratégie pratiquement. Mais c'est bien compté mal calculé, c'est que écoutez, l'agence a offert en quelque sorte. L'a fini, il a fini, il a toujours besoin de venir dans le pays. Et d'ailleurs, en pile là-dedans, on ne peut pas vivre à l'extérieur. En pile là-dedans, on voit à l'extérieur, ou bien qu'à l'extérieur, il a besoin de tourner dans le pays. Donc le pays vous manquera d'une façon ou d'une autre, il a besoin de tourner, mais qui doit tourner, c'est dans ce temps fer que vous avez contribué à créer malheureusement. Et là, on va le rendre compte en qui niveau fragile. C'est ça. Alors, j'en parle à la Inobi jamais, c'est comme quoi Haïti, monsieur d'Abepal dans un factory. Et évidemment, pays a ses alliés, pays a son factory, mais pour qui ça, Sergino, ou est que tout ça, soit regardez toute activité économique, c'est vraiment des activités qui on dit à profit rapide. C'est des activités à profit rapide. Pour qui ça, un ensemble de produits, pays a des produits, pays a des potentiels pour eux. Nous d'accord que pas gagner un cadre de l'État en quelque sorte, mais pour qui ça, je vous dis à là, c'est dans l'importation qu'il faut aller. C'est justement parce que l'importation, soit elle cherche un crédit pour mettre une entreprise sous pied ou bien pour importer de la République dominicaine, c'est plus facile. C'est 5 fois plus facile pour jouer un crédit pour importer de la République dominicaine que pour mettre en place une entreprise. Parce que justement, nous n'avons pas quoi dans la structuration de quelque chose qui a un emploi dans le pays. C'est justement des activités à profit rapide et à gros profit en quelque sorte. C'est même bagaille qui a privé dans le dollar là par exemple. C'est que dollars sont source d'accumulation de richesse, une catégorie qui est dollar, pour que vous fassiez richesse au détriment même de la population. Donc pays sont factories qui a généré richesse pour une catégorie de monde malheureusement. C'est dommage. Et nous jamais invité nous la mise au point jeudi. En garde réalité nous par rapport à la catastrophe naturelle, le 12 janvier 2010, professeur Germain, et plus passer 250 000 personnes perdu la vie, même si il y a des gens qui remettent en question chiffre ça, mais c'est chiffre officiel. Et perte de dommages matériels était estimé en 2010 à 7,8 milliards de dollars américains, soit 117% du PIB dans le moment ça. Vraiment, c'est une catastrophe tête chaude, même si il y a des gens qui estiment 2021 paraît plus puissant, même s'il y a moins de dégâts en termes de monde qui perdu la vie. Alors, on dégage comme ça fait une fête, en pile promesse de fête, en pile l'argent tout brasse dans l'économie après 2010. Mais qui ça résultat au qui leçon que nous avons tiré de l'expérience 2010 là, pour ne pas répéter la 2021, c'est qui ça a doué pour ça jamais. Et le 12 janvier 2010, j'ai bien expliqué là, pays à victime dont catastrophe majeure, qui sont tremblements de terre, qui gagnaient des pertes énormes en vie humaine, des pertes matérielles extrêmement importantes et des pertes économiques, pour ce bien dire, entre 117 et 120% du PIB national. Et autrement dit, le pays a été dévasté dans son économie, dans sa population, dans ses habitats, pratiquement dans tout. Le pays a été dévasté. Mais maintenant, le pays a dans la situation ça, tu as deux gros besoins. C'est d'abord l'urgence qu'il faut gérer. C'est ensuite le gros besoin de la reconstruction nationale. C'est-à-dire que l'on paye victime comme ça, il faut penser à reconstruire en quelque sorte. Maintenant, un bon ensemble de promesses qui fait à pays. Et promesses, ils ont été évalués à autour de 10 milliards de dollars américains. C'est-à-dire qu'on mobilisation de la communauté internationale en faveur d'Haïti. Les décaissements, ils n'ont pas respecté les promesses, puisque le document disponible parlait d'un décaissement qui était autour de 6 milliards de dollars américains. 6 milliards de dollars américains, ça en partie pour l'urgence, en partie pour la reconstruction. S'ouvrez rapidement, on connaît même avant, on connaît l'urgence n'a pas été bien gérée. Nous n'avons pas besoin de poser des questions sur ça. Donc seulement pour un rapport qui fait sous un ONG qui est toujours en Haïti, qui t'est dépensé, tendez bien, un demi-milliard de dollars américains pour construire 6 petites maisons d'urgence. Non, un rapport qui était fait par une institution américaine sur les. C'est-à-dire qu'on a 500 millions de dollars américains pour construire 6 ticailles d'urgence. C'est-à-dire, gagner pour nous poser question par rapport à l'urgence. Et d'ailleurs, on ensemble de déplacer, jusqu'à présent, il y a beaucoup relogé. Jusqu'à présent, il y a sous les temps de 2010. Hein. D'ailleurs, regarde quand qui formait et tout près nous là, pratiquement. Donc, ça veut dire que l'urgence n'a pas été gérée. Maintenant, sur le plan de la reconstruction, moi, Mavon, on n'a pas besoin d'épiloguer sur ça. Le pays n'a pas été reconstruit. À date, le pays est un grand besoin de reconstruction nationale. La production de la ville, on a fait constant. Évidemment.
Un, donc un, nous ratons l'urgence. Deux, nous ratons la reconstruction. Mais dans un ensemble de problèmes qui étaient posés, c'est que d'abord, l'aide n'a pas été coordonnée. La plus grande leçon, c'est la leçon de la coordination. Ça qui arrive en 2010, c'est que dans tout comme ça au Cap Bayo, il y a comme qui prend par des organisations internationales, mais par des institutions internationales, au nom d'Haïti, un, l'État n'est pas au courant, et deux, l'argent n'a pas été dépensé en Haïti, l'argent n'a pas été dépensé pour Haïti. Ça veut dire que c'est des institutions qui ont levé comme sous nom PIA sans que l'État n'ait même participé dans la coordination. Nous avons c'est IRH. C'est IRH, lui-même l'a fait par l'autre côté, l'autre organisation a travaillé pour Haïti en l'autre côté. Et comme ça, il a comptabilisé comme étant mais justement de support, de relèvement qui va à Haïti ou bien de support pour que le pays a géré l'urgence. Donc l'aide n'a pas été coordonnée. Ça veut dire, premier problème, non, c'est le problème de coordination. Donc la leçon de coordination, il faut la prendre. Maintenant, la deuxième leçon, c'est que, et après 12 janvier 2010, le pays a li et comme Simtado pas fonctionné non avant 12 janvier 2010 et puis après 12 janvier 2010 non pays a continué même sur même voie, c'est-à-dire que Habitat a continué construit dans la grande majorité de la même manière, sinon que quelques hôtels ou bien quelques grands édifices ou bien quelques gros bâtiments l'État qui respectait des normes selon ça et des spécialistes dit parce que c'est pas le même pas nous, mais le gros de la population continue à construire pratiquement même gens et l'éducation par rapport au séisme, c'est vrai que mon pied formé de séisme, mais il n'y a pas forcément éduqué par rapport à gens pour faire face à séisme. Donc, on comprend que d'abord, deuxième leçon, c'est qu'ils le sont liés, c'est que, nous parlons de première leçon, c'est que bon problème de coordination au niveau de l'aide. La deuxième leçon, c'est que, eh bien, on a continué sur la même voie qu'avant 2010, c'est-à-dire que nous ne pas voulons reconstruire l'habitat véritablement dans le pays. Et sauf les troisième leçon, c'est que qu'est-ce que fait le pays à reconstruire? Mais donc, mais il faut aller chercher, il faut aller justement chercher les causes. Donc moi pense que, peut-être vous allez arriver sur lui, donc moi pense que PIA il était raté 12 janvier 2010 comme étant une véritable opportunité. Après, il a raté Petro-Caribe, mais il a raté justement 12 janvier 2010 et mais comme étant une opportunité parce que moi, sur tout ça, eh bien, un, eh bien, l'aide n'a pas organisé, mon problème d'organisation, de coordination de l'aide. Et la deuxième chose, en tout cas, mais un véritable problème eh bien, en matière de jeunes comprendre et reconstruction, mais construction nationale. Bon, c'est un décollage raté, je dis en professeur Germain. 11 années après, nous tombons dans San Tombéa, 14 août, à Tremblé. Déjà, plus passé 2000 personnes ont perdu la vie, des centaines de milliers haïtiens, t'as dit de manière générale, touchés par rapport à ça qui passé 14 août 2021. 11 années après, l'organe des réactions de l'État, l'organe des gens a essayé de gérer la catastrophe, ça, le son nous apprenons. Je ne suis pas très sûr. Parce que d'abord, hein, au niveau de la coordination, nous sommes parlé de un véritable problème de coordination. Et après 12 janvier 2010, un ensemble d'organisations non gouvernementales ou institutions internationales, là-dedans, ils ont expliqué que au conjoint presque une dizaine dans la même zone à faire le même projet pratiquement. Donc, d'accord, c'est pas coordonné. Et qui est-ce qui choisit le projet à mettre en place? C'est eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui dit voilà donc le besoin. Voilà donc mes besoins pour le pays. Besoin, c'est qui bolé dans telle zone. Par exemple, c'est l'asile, par exemple. Mais ça, mon besoin, m'a aimé, soit bien font projet, c'est projet ça pour faire là. Pas de bien ça après 12 janvier 2010, c'est pour ça qu'on arrive dans un petit canal, dans un petit rigole, où je une 10 organisations internationales non gouvernementales à œuvrer pour le même projet. Je dis, ou bien l'impression que le même problème se pose, parce que, regarde le problème qui est là, en termes de répartition de aide dans le Grand Sud. Il y a des zones jusqu'à hier, ma place sur Internet là, et il y a mon tour, mon cap parler, m'a regardé vidéo, côté que mon va jamais au monde qui vient de haut, que ce soit autorité, que ce soit des civils, c'est-à-dire des individus de bonne volonté, que ce soit des étrangers qui viennent de haut. C'est-à-dire que il y a des catégories fondamentalement qui puissent exposer à aide là, qui jouent une aide alors que un paquet de monde qui va jouer une aide. Donc un problème de coordination. Donc ça, il y a dérapé dans l'État là. Parce que l'État n'a pas de capacité d'ailleurs. Bon, le problème encore, le problème non, c'est que l'argent paye à recevoir. Je dis à moi, nous pouvons comprendre combien de comme qui déjà recevoir par l'État. Nous avons des annonces partout. Qui est sur Bayo? Moi, je ne sais pas combien. Combien de cobs qui est en fait sur le pays, c'est-à-dire combien de cobs qui est en levé sur nos pays, moi, je dis à, on ne sait pas. Souvent des plus grandes autorités dans l'État, bon écoutez, c'est je dis à M. Ariel Henry qui incarne l'État, souvent des M. Ariel Henry ou bien le ministre de l'économie et des finances, etc., peut-être que au Cap Cabor, il y a un rapport exhaustif sur ça, puisque il y a plusieurs institutions qui ont levé comme dans nos pays. Donc, pas bon guichet unique.
pas de guichet unique, l'État n'a pas d'information. Donc, moi, je pense que là encore, il y a un véritable problème de coordination. À la fin de la journée, on va regarder des rapports qui disent que, après 14 août 2021, pays a ramassé tant encore pour faire face à l'urgence, pour faire face à la reconstruction, mais on a vu que l'urgence n'a pas été bien gérée, pas de reconstruction, etc. etc. Donc, l'État n'a pas arrivé à imposer comme étant véritable autorité qu'il a, qui pourrait contrôler sur tout support qu'il a bâillé. Mais, vraiment, ça arrive tout dans le moment où la situation économique est très difficile pour le gouvernement haïtien. Non, mais Serge, le tremblement de terre, ça, c'est un véritable coup de massue à une économie qui était déjà en situation de catastrophe. Ça veut dire que si à la fin de l'exercice fiscal, on va avoir une facture très salée de l'économie haïtienne, ça n'a pas dû et seulement au tremblement de terre de 12 janvier 2000, de 14 et août 2021, mais c'est que tu es déjà en situation de catastrophe dans l'économie, hein, côté que, et quel que soit élément, quel que soit pan, quel que soit secteur, quel que soit indicateur considéré, on va prendre en compte que déséquilibre, il est flagrant ou bien situation est extrêmement inquiétante. Parfait. En parlant de l'argent, USAID, récemment, il y a l'administratrice qui a été dans le pays, Samantha Power, il t'a parlé d'assistance de 32 millions de dollars américains pour faire face à la réalité Grand Sud-là. Gélonie même qui m'a lancé un appel, bon côté partenaire, il y a 187,3 millions. Mm-hmm. Là, on dit c'est pour gérer l'urgence là, abri, de l'eau, santé, manger, protection et puis relèvement rapide. Chiffre ça, on va dire rien, comment on a bien utilisé bon. Pour faire face à la réalité, je dis, hein, dans bon, celui-là. La première chose, c'est que il n'y a pas encore à date, à ce que je sache, une évaluation exhaustive de l'ensemble de pertes. Par exemple, moi, attendez, on représente la Banque mondiale qui dit que, écoutez, les pertes, et d'après les premières informations et informations, ça reprend à l'aide de données, à l'aide de satellites, c'est-à-dire c'est les données satellitaires, ils ont rendu compte que les pertes ont évalué à 1,15 milliard de dollars américains. C'est-à-dire que, pas bien non, évaluation pour vous compléter, étant donné que même dans la déclaration, il dit qu'il faut justement donner ou compléter à l'aide de données de terrain. Ça veut dire que pour vous, évaluation exhaustive. Maintenant, et appel ça qui est lancé par institution, hein. Institution lui-même qui s'allève, c'est que bon ensemble de besoins rapides, parce qu'on a parlé de réouverture de classe, c'est pour ça par exemple, dans 187,3 millions de dollars américains, il y a besoin de mobiliser rapidement pour Haïti, c'est d'abord la question de la sécurité alimentaire, il y a parlé de 40 millions de dollars américains pour la sécurité alimentaire, mais pas bien non, 40 millions de dollars américains n'est rien pour la sécurité alimentaire dans ce pays. Moi, quand on a des programmes institutions dans le pays, qui déjà excédé les 40 millions de dollars américains. Évidemment, il y a parlé de 39 millions de dollars américains pour la reconstruction des écoles, il y a parlé pour questions urgentes, humanitaire, santé, wash ça ou les domaines wash la sanitation, etc. etc. Donc, moi, je pense que, écoutez, l'agence ça a eu besoin, c'est pour faire face. Dans un petit moment donné à la situation d'urgence, nous gagnons. Probablement, on n'est pas dans la reconstruction, puisque moi, nous connaissons déjà que 187,3 millions de dollars américains, c'est rien pour une grosse région comme ça qui est le Grand Sud en quelque sorte. Maintenant, l'argent pour 2010, un pile gros l'argent que tu as parlé, un pile gros montant avant de dépenser, je veux dire, sous Haïti, sous bon Haïti. C'est comme quoi je viens de dire, ici, je veux dire, tu es monté sous Haïti et puis descendre sur notre monde. Maintenant, comme ça, au cap là, qui ça nous a fait pour nous utiliser, pour nous faire une bonne gestion de eux, pour éviter même erreur 2010 par répéter en 2021. Bon, et d'abord, bonne gestion, on est d'accord, il ne pas dépendre de nous totalement. Bonne gestion dépend de l'autorité. C'est-à-dire, monsieur, dame, qui c'est vraiment les responsables de l'État qui gagne justement pour recevoir une aide pour Haïti, pour que vous dépensez pour Haïti. Donc, évidemment, tout dépend de l'institution internationale, ça, qui en général, ils ont implémenté le projet directement, ils ont fait la mise en œuvre du projet directement. C'est-à-dire, ça dépend de eux. Mais maintenant, ça dépend de nous, à qui ça laisse Sergino. Bien de parler là de société civile, c'est que nous exigeons de l'État de rapports réguliers de suivi et d'évaluation sur toutes les dépenses qu'il fait. C'est-à-dire que combien comme il est disponible, comment comme la dépenser, qui bol dépenser dans nos rapports sur eux. C'est-à-dire que nous-mêmes dans la société civile là, l'un des informations à temps n'a pas apprécié. C'est-à-dire quand il y a des imperfections en matière de gestion des deniers publics, nous avons dit qu'il y a des imperfections et que l'État doit répondre pour ça et l'État doit réorienter l'intervention dans tel sens ou dans tel autre, etc. Donc, bonne gestion dépend de vous d'abord, mais il faut gagner règlement de compte et règlement de compte, ça tout dépend de nous parce qu'il faut demander l'État compte sous l'argent.
Mais pour nous jouer une information, il faut qu'il y ait des rapports qui fait. 12 janvier 2010, c'est à la fin de la journée nous avons un rapport suivi avec évaluation. C'est-à-dire, véritable rapport qui est fait sur question ça, un rapport fait autour de 2014, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, on a parlé là de au moment où l'argent finit de dépenser. Donc, il faut que nous ne pas lorsque le cabrit l'a fini de passer pour nous demander compte, il faut que justement, à chaque l'argent, l'État recevoir, eh bien, gagner évidemment des informations que le ministère finance mettait disponible pour tout le monde de manière très régulière, avec l'argent dépensé pour que tout le monde soit capable d'apprécier. Et là, comme on regarde sous lit, eh bien, on va comprendre la force de la corruption, la force de la mauvaise gestion, l'étendre justement à réduire, à baisser en quelque sorte. Et c'est pour ça, et je dis à la, c'est peut-être un appel pour que la société civile là, lui demande compte, lui demande rapport sur toute ça l'État, faire tout l'argent l'État pour se voir. Mais là, ce moment de l'État à toi, plein qu'on est institution faible, sur l'État qui est déjà chargé de problème, qui est matissé qu'il va te gérer, là, plein je dis à la, tout le monde est chargé. Et l'argent pas rentré vraiment, fonctionnait pas qu'à recevoir salaire ou attendre. C'est de l'État ça n'a pas l'air. Et c'est lui-même qui m'a demandé de faire travailler ça. Ouais, mais c'est de l'État ça. C'est trop demandé. Oui, bon, peut-être que oui. Peut-être que nous demandons le droit, mais pas oublier. C'est des autorités qui l'a cap touché pour faire un travail pour nous. Donc toujours, si il n'y a pas de jambes qu'on fait un. Peut-être toujours à toucher. Si il n'y a pas de jambes qu'on fait un, nous demandons au fois ça. Écoutez, nous pas besoin comme si Mdado d'essentiel là pour nous. Nous pas mando d'essentiel là pour nous. Nous mando ou recevoir 10 gouttes. Dis-nous où recevoir 10 gouttes et dis-nous à qui ça 10 gouttes dans les servir. Qui bon ou bail support, qui bon bail support pratiquement. C'est ça demander l'État. Nous demandons l'État un exercice facile. Nous pas demander pour faire un gros livre de développement pour nous. Nous demandons pour que l'on recevoir un cob, bah nous tirer rapport sur cobla, qui soit fait à cobla, qui soit acheté avec, qui bon bail support. C'est ça demander l'État. Et c'est Wallio. Et on connaît que les entrées là, c'est Wallio, c'est responsabilité, c'est mission institution pour que les recevoir des moyens, il y a des rapports sous moyens recevoir. Mais vu ce qui se passe deux semaines, on se dit tout à l'heure qu'il y a des zones dans le pays qui étaient touchées sévèrement pour qu'on recevoir l'État, pour qu'on recevoir un support l'État. Le problème de coordination. Le problème de coordination, parce que ça crée en général. Et qui tente pour faire là, c'est que. Ou bien l'impression autorité a oublié que nous avons une population est pratiquement rurale, notamment dans le Grand Sud. Plus passé 75% de la population du Grand Sud vivent dans une zone rurale. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la ville où il y a pratiquement. Mais qu'est-ce qui arrive, théorie de localisation oblige. En matière d'aide, il y a une catégorie de monde qui est exposé à l'aide. Parce que les gens sont les plus faciles pour atteindre. C'est notamment les gens qui sont dans la grande ville, parce que c'est là qu'il y a route pratiquement. Donc, on convoit. Qui saute Port-au-Prince, qui pourrait aller dans le Grand Sud, les plus faciles pour le bail support Jéré, pour le bail support et Okaï, pour le bail Jérémy, ou bien pour le bail l'autre côté, que le rivet, pour le bail Nanib, que le rivet par exemple, pour le bail Miragouane par exemple, ça au plus facile pour lui que le rivet, comme c'est Mdado, bail support dans la section communale qui est plus reculée, parce qu'il y a moins s'exposer à aide. En seule façon, pour que Mounsa ou touche véritablement, il faut une bonne coordination de l'aide. Et je vous dis, et ça me tape tout à l'heure, nous rendons compte qu'il y a un véritable problème de coordination qui permet de nous dire que la leçon de 2010, on t'a posé une question ça tout à l'heure, n'a pas été apprise. Comme si l'État n'a pas appris cette leçon de bonne coordination de l'aide, justement. Maintenant, est-ce que nous avons compté sur ce point international là, dans ce de la Rudia, nous connaissons été très impliqué dans ces IRH, le résultat est laissé à désirer. Bon, et l'autre pays qui est en panne de ressources comme ça, son pays toujours en besoin de ressources, et de toute façon obligé de compter sur l'international. Peut-être que les résultats ne seront pas à la hauteur de ressources que recevoir, parce que c'est IRH, c'était ça. C'est IRH, mais c'est relevé comme sur Haïti, autorité haïtienne impliquée là-dedans, autorité américaine impliquée là-dedans, l'agent, nous voyons ça le fait, l'agent, on t'a qu'à dire, il est dilapidé pratiquement. Donc comptez sur yo oui, mais pas compter sur yo pour yo lever à terre. Comptez sur yo peut-être pour yo bâtir de l'eau. Comptez sur yo pour yo aider gérer urgentement dans une certaine mesure, mais pas compter sur yo comme si Mdado, son pays va reconstruire, son pays va apprendre construire résilience pratiquement. C'est pas ça du tout. Mais comme on parle de ressources, on va pas gagner international, on est obligé de gagner international. Comme toujours, faut qu'on gagne international qui vous bon au minimum de support. Et peut-être encore une fois que support ça yo, comme il a participé dans gérer l'argent tout, il n'y a pas la hauteur des résultats escomptés. Est-ce que l'argent, par exemple, nous recevons sous prime assurance, bon côté Banque Caraïbienne de développement, nous devons recevoir 40 millions, mais nous déjà recevoir 27 millions, selon sous le ministère de finance. 27 millions déjà arrivés, et comme prime assurance, c'est l'argent payé à lui-même payé. Oui, payé assuré, oui. C'est clair.
comme ça qu'a aidé et comment qu'on t'a utilisé pour aider le sud là à relever. Oui, mais ça qui vient dans le pays, c'est que tout le monde a aidé. Tout le monde a aidé. Petit que l'île a aidé. C'est-à-dire que 27 millions de dollars américains qui a aidé dans une certaine mesure. Maintenant, aider dans quel domaine, question ça, on peut-être pas qu'à répondre. Parce qu'au fait, il faut qu'autorité, encore une fois, une bonne évaluation des besoins. Une bonne évaluation des besoins qui fait. C'est-à-dire que qui besoin de population a gagné. Qui besoin qui est plus urgent pour cette population. Pour répondre à besoin plus urgent yo, ou passer des plus urgents au moins urgents. Hein? C'est son escalier pratiquement. Mais si l'autorité ou pas pièce évaluation de besoin et que plus fort support pour le c'est en termes de l'eau, c'est de l'eau pour la population. Pour de l'eau pour lui, pour de l'eau pour lui. France Duval font éditorial, monsieur Dou. Plaider by de l'eau, ça crève finalement. C'est que mon fin de l'eau. C'est fini. Il n'y a rien qui reste comme valeur ajoutée. Donc c'est évaluer besoin. Donc au moment donné, la population a effectivement besoin de l'eau, mais après c'est pas de l'eau pour balle. Est-ce que l'argent ça va la servir pour dédommager les victimes, aider dans la reconstruction caillou? Aider dans la construction caillou, c'est peut-être un gros programme qui peut gagner. Parce qu'on ne peut pas lever ou aller dans la construction caillou comme ça. Et caillou comment? Quel est le modèle qu'on va adopter? Parce que on n'a pas les deux pays qui sont très risqués à catastrophe naturelle, le coefficient de risque est très élevé dans le pays. Donc ça veut dire, l'on dit reconstruction, est-ce qu'on peut commencer par les deux reconstructions aujourd'hui? Est-ce que reconstruction de l'habitat par exemple? Donc d'abord, il faut avoir un véritable plan de reconstruction de l'habitat qui dit que voilà, donc le modèle de reconstruction de l'habitat à adopter notamment pour le Grand Sud, et là, lorsque le modèle ça devine globaliser et mes modèles ça a véritablement la servi d'un exemple pour tout pays d'Haïti et que dans l'autre moment donné, dans l'autre région justement, on a attaqué en copiant en regardant sur le Grand Sud. C'est la reconstruction à partir du Grand Sud. Que, nous allons peut-être parler plus de ça avant de faire mes émissions, mais on a gardé comme FMI, FMI qui fait nos prêts, et près de 224 millions, et toi, on croit que c'est 0,05%. Qu'est-ce que ça a inscrit dans le cadre? Non, et d'abord, hein, d'abord, pas oublier que Haïti t'a gagné, même montant ça, hein, 224 millions de dollars américains qui ont été bénéficiés du FMI, on va dire en mars 2019. À cette époque, c'était ça, où elle est facilité et élargie du crédit. Mais pays a un ensemble de conditionnalités, il n'y a pas de cas à respecter, parce que il a demandé un minimum de stabilité politique, à l'époque, il a demandé un gouvernement plus ou moins légitime, que nous n'avons pas de cas satisfaire, malgré, écoutez, annonce qui fait le FMI, il était déjà pris des dispositions pour ça, l'argent n'a pas de décaissé. Mais je dis à c'est autre chose. Je dis à pas baoul parce qu'on est victime de tremblement de terre. Il va aller justement dans un cadre global. On va me poser une question dans qui cadre. C'est dans le cadre global de ça, Octa Karelé, et un ensemble de droits de tarifs spéciaux que FMI met en place pour le monde entier. 650 milliards de dollars américains de droits de tarifs spéciaux mettés à la disposition de différents, si vous voulez, pays du monde membres du Fonds monétaire international pour qu'ils fassent face à situation économique qui provoquée par situation économique difficile qui provoquée par coronavirus en particulier. C'est la première fois FMI mettait toute DTSA à disposition des pays du monde. 650 milliards de dollars américains. Mais comme Haïti, l'immeuble FMI et le code-part d'Haïti, c'est-à-dire la contribution d'Haïti au FMI, l'évalue à 224 millions de dollars américains, et bien Haïti a poursuivi pratiquement toute côte-part là pour que il fait face à situation, en tout cas pour le faire relance économique notamment après ou bien et pendant coronavirus. Mais comme Haïti n'a une situation particulière de tremblement de terre, peut-être que l'agence a va servir tout à faire face à une situation qui due à tremblement ou bien souvelé et pour faire face à difficultés qui viennent dans le Grand Sud. Donc, mais voilà donc le cadre dans lequel, mais pas oublier, l'agence a son prêt. On prévient les dit que eh bien, les prochaines générations ou bien nous-mêmes, nous continuons, nous allons payer l'argent quand même. Et comme nous allons payer quand même, eh bien, il y a justement intérêt pour que l'agence aille bien dépenser. L'agence aille bien investi. L'agence a justement, nous mettons le nom ensemble de secteurs porteurs, même si nous devons faire face à l'urgence. Parce que bah, bien, on a parlé de relance économique. Relance économique, pourquoi? La relance économique, c'est pour créer de la valeur ajoutée pour l'économie. Valeur ajoutée qui c'est richesse, parce que c'est la somme des valeurs ajoutées qui va avoir croissance. Et valeur ajoutée qui c'est richesse, et richesse, ça a ressenti crasse n'a pris la donne pour que nous payions eh bien, le dette et le service de la dette pratiquement. Bon, bien dépensé, on souhaite faire ça à l'institution de contrôle, faire job bio. Je ne sais pas les câbles qui sont passés pour les fermer barrières, nous avons ça privé avec CRH, plutôt Caribé, et nous avons un résultat au bail, comme ils ont dépensé, mais pour qui résultat, personne ne peut dire rien. On souhaite que l'institution de contrôle fasse ça, et sous garde, sous main, pour forcer les gens qui ont dépensé, faire dans bonnes conditions. Oui, moi je suis juste tout à fait d'accord. Et les institutions de contrôle qui doivent faire travailler, mais également la société civile qui doit continuer à faire pression justement pour une bonne gestion des données publiques. Comment reconstruire à partir du Grand Sud, Inomi Jamais? Bon, écoutez,
Et au Sodili, on a raté l'opportunité de 2010 pour une véritable reconstruction nationale. Je dis, il faut peut-être autorité yo montrer que bon volonté pour que au-delà de l'urgence dans le Grand Sud, eh bien d'abord nous commençons à travers de l'habitat, à travers les écoles, comment reconstruire l'école, finalement nous avons des écoles standards, majorité de l'école est crasée, comment nous avons des écoles standards, l'église yo gagne des congrégations qui travaillent, comment nous construisons de manière standard. Comment justement nous faire le Grand Sud venir un véritable modèle à la fois dans l'habitat, dans l'activité économique qui est perdue, parce que pas oublier, non, le Grand Sud sont régions qui ont trois activités principales pratiquement. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est le tourisme pratiquement. Eh bien, le Grand Sud, justement, si le Grand Sud habitat lui construit, venir un véritable, et comme c'est un exemple en matière de construction de l'habitat, qu'est-ce qui peut arriver, et Sergino, c'est que, eh bien, donc la plus attractive sur le plan touristique. Sur le plan touristique, je veux dire que ça capable un véritable pôle de développement. Et deuxièmement, un ensemble d'activités, si on a parlé de relance économique, un ensemble d'activités qu'on met en place dans le Grand Sud, comment renforcer l'agriculture dans le Grand Sud, comment véritablement fait que si comme le Grand Sud très exposé, pas oublier non, le Grand Sud devait face à Mathieu, le Grand Sud en 2011 déjà était très inondé, le Grand Sud fait face là à un tremblement de terre, et bien comment justement construire résilience pays, ou bien comment construire la résilience du Grand Sud pour que finalement reste pays à Kagadé qui dit pour nous dire finalement que écoutez, si Grand Sud gagne de l'habitat, si l'activité économique est relancée à ce niveau, si l'école est capable de construire en respectant toutes ces normes, si l'église est capable de construire en respectant toutes ces normes, eh bien véritablement le reste du pays est capable de copier sur le Grand Sud pour que nous emboîter le pas pratiquement. Donc moi je pense que le Grand Sud est capable de véritablement servir comme exemple en matière de reconstruction de l'habitat, j'en saute de là, de relance économique, de l'église, de l'école pratiquement, et que, ou bien sur le plan touristique, tout comme infrastructure touristique que nous renforcer, au côté que ensemble de touristes nationaux ou internationaux, elle dit que, eh bien, écoutez, bon mal visiter le Grand Sud, il dit nous avons l'autre bagaille qui a fait dans la zone ça là, bon mal visiter le pratiquement, eh bien, à partir de cet instant, mais le Grand Sud va venir un véritable pôle d'attraction et que respect il y a va construire sur ça qui dit que et là on a dit que et bien n'a va reconstruire en prenant l'exemple du Grand Sud. Mais tout ça faut l'esprit en vision et non vision. Faut l'esprit en vision et c'est la grande inquiétude. L'inquiétude c'est que Sergino jusqu'à présent il n'y a pas, on ne connaît si gagner au mouvement ou bien au mouvement ce qui dit que voilà ce qu'on propose pour le Grand Sud. Donc là d'accord que tu as parlé de peut-être deux semaines après, on a fait face à l'urgence, c'est vrai. Mais au-delà de l'urgence, il faut gagner de structures, il faut gagner justement de cellules qui ont réfléchi sur un véritable modèle de reconstruction du Grand Sud. Et modèle ça, Céline souhaitait que l'autorité copie sur lui pour garder, en tout cas pour faire la reconstruction nationale à un moment donné. Grand proposé un projet de 1,3 milliards. Tu as aidé à l'habitat, ouais, et un projet assez pertinent. 1,7 milliards. Oui, 1,7 milliards. Alors maintenant, un projet comme ça, et ou pas d'accord que le gouvernement t'a marché là dans le tout? Honnêtement, beaucoup de projet, hein, c'est vrai que j'ai connaissance de lui, mais beaucoup de et du fond en comble. Mais seul ça me connaît, c'est que Gran a dirigé par un ensemble d'intellectuels de haut niveau, de haut vol, notamment et un professeur comme Samuel Pierre. Donc moi, je pensais que de toute façon, ça doit être un bon document. Et si, bah écoutez, il n'y a pas un document qui n'est pas soumis aux critiques, si le document doit critiquer, mais que le critiquer pour l'améliorer, que le critiquer pour l'améliorer, que ensemble de structures prennent par document, et que pour nous dire, il faut en renforcer pour que nous passions à la reconstruction nationale nécessaire. Ça. Alors, c'est capable de plusieurs projets comme ça, mais qu'on a ces cobla là financement, parce que je dis, alors qu'on est pays qui fait face à Covid-19. Et ça aussi j'en ralentit l'activité économique qui fait que le pays a géré tête chopito. Non, mais ça qui fait, c'est que. Moi, je pense que si Gran pour tes projets, pour contre, il y a bien beaucoup plus de difficultés de financement de projets comme ça. Mais si il y a l'autre organisation, ou bien majorité organisation société civile qui est plus ou moins crédible, qui joint à Gran en quelque sorte, et projet à aller discuter avec l'État, moi je pense que la mobilisation de ressources, peut-être que nous ne pouvons pas revenir dans 1,7 milliards de dollars là, mais la mobilisation de ressources ne sera pas très difficile, mais il n'y a pas qu'à seulement un projet qui porté par Gran, et c'est pour ça, l'important pour que Gran rassemble un ensemble d'acteurs de la société civile et approche l'État dans la mesure du possible, un ensemble d'acteurs à l'international pour que documents l'y évaluent, l'y prigent, l'y améliorent, et finalement nous dit que, en pile dans nous reconnaître nous dans le projet, ça à partir de ce moment, le travail de mobilisation de fonds sera beaucoup plus facile. Je veux dire, nous avons un Grand Sud là pour nous reconstruire. Ça nous a dû faire pour que l'expérience Port-au-Prince ne soit pas reproduite dans le Grand Sud là. Et quand nous avons décidé
fait des cailloux, les gens ont fait n'importe quoi, ils ont piécé et ils ont commencé à vivre, j'ai sauté avant. Bon, le problème, c'est qu'il y a un rapport qui produit sur le 12 janvier 2010. Il y a un rapport qui produit notamment un rapport d'évaluation qu'une institution et que des techniciens haïtiens étrangers produisent sur ce qui est passé le 12 janvier 2010 là. Ils font un ensemble de recommandations. Eh bien, écoutez, nous avons parlé tout à l'heure que faut que nous entrions dans une dynamique de capitalisation, mais il faut que l'autorité véritablement aille chercher le son, notamment le son en matière d'organisation, en matière de reconstruction de l'habitat, mais également en matière de gestion de ressources et en situation de crise. Et nous, jamais merci en pile parce que tu es disponible pour nous. À moi de vous remercier. Voilà, invitez-nous dans la mise au point aujourd'hui à professeur et Nomi Jamin, regardez l'impact économique 14 août là, mais tout, regardez qui ça nous a dégagé comme perspective pour nous reconstruire Grand Sud là, pour nous envoyer de l'autre signal par rapport à l'expérience que nous avons fait 12 janvier 2010. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.